Team Rediffusion, si vous êtes par ici, eh bien bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est parti pour un petit live sur Dokkan Battle, encore une fois, on a du Goku Rush à faire. Eh bien on va continuer, on va terminer tout ça, enfin terminer, non pas aujourd'hui parce qu'il y en a quand même beaucoup à faire et qu'on risque de pas tous les réussir, mais on va continuer quand même, en espérant eh bien que ça se passe bien, et puis voilà, voilou quoi. Juste Ilou le chat, ouais, il est par ici, salut Miwinwe, salut Milio, salut Wawa, salut Limsa, salut King, salut Brian, ça va ou quoi les gars, tranquille en forme. Je fais le tweet pour dire qu'on est en live et puis let's go. Tac, tac, tic, touc. Et voilà, c'est parfait, c'est lancé de mon côté. Voilà, j'espère que vous allez bien du coup, vous êtes en forme. Ça va ou quoi? Voilà, merguez, tranquille. Yo Christophe, salut, salut. Tu vas aller jusqu'à quelle heure? Attends, et ça c'est un truc de fou. À chaque fois, j'y ai le droit, je démarre le live, à quelle heure tu termines, jusqu'à quand tu vas live, combien de temps tu vas live. Et c'est un truc de fou les gars, je viens de lancer. On a le temps, on a le temps, on a le temps. Ça va ou quoi Valence aussi, en forme? Vous allez bien tout le monde? Salut Bob. Salut, 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 j'ai découvert avec ta série Naruto Storm 4 qui était énorme. Alors d'ailleurs, bah tiens, si tu m'as découvert avec Storm 4, est-ce que tu reconnais la musique en fond ou pas? Je sais pas si vous l'entendez bien ou pas. Je sais pas si vous l'entendez fort ou pas, vous me dites, sinon je vous augmente un peu le son, que vous compreniez un petit peu tout ça. Mais normalement vous l'entendez, je dis bien normalement. Normalement la musique, ça va, vous devez reconnaître, hein, logiquement. Tu vas dormir à quelle heure? Oh, je sais pas, hier on s'est couché tard, hier. Hein. Hier il était très très tard, hein. Il était très très tard à cause du club pro chez Fafa. Aujourd'hui, je sais pas, ça sera plus tôt évidemment, mais je sais pas encore quelle heure. Yolioush, j'attendais ton live, nice à Sandro Jojo. Mais attends, j'avais pas dit que je faisais un live d'Okan à la base, moi. J'avais pas dit, à la base je devais aller sur Twitch, je devais faire du FIFA, sauf que malheureusement, problème de serveur sur FIFA, j'ai pas pu m'inscrire au Futchamp, donc je suis inscrit pour la semaine prochaine, donc du coup je peux pas faire mon stream Twitch, enfin en tout cas pas celui que je voulais. Donc du coup, bah, je me suis dit, bon on a quand même du Goku Rush à terminer, il y en a beaucoup, ça va prendre du temps. Donc on va prendre un peu d'avance aujourd'hui sur le live, et puis voilà pourquoi on se retrouve sur Dokkan. J'hésitais un peu à faire du Legends aussi, parce que ça faisait un petit moment que l'on me le demande, du Legends, et que j'en fais pas. Mais ça viendra peut-être demain, qui sait, ou plus tard, je sais pas du tout. C'est parti pour un Goku Rush du coup. Ouais, carrément, ouais, carrément. Salut Doui, ça va ou quoi aussi? Yo Lilian, j'ai presque 500 pierres du dragon pour les 5 ans. GG ça, dit Dylan. GG. Bah du coup, ça va, tu vas être bien toi. Mais le son plus fort. Le son, lequel son? Lequel le son? Le de la musique? Ou ma voix? Ouais, ça va, moi, en forme, hein, en forme, en forme. On n'entend pas trop la musique. Ok, je vais la remettre à zéro et... t'inquiète, je vais la remettre à zéro et... On va se la remettre par là, attends. Tac. On va se la remettre par là, je vais vous augmenter le son. Ah, je savais pas, normalement, vous êtes censé l'entendre plus ou moins fort. Bon, là, ça sera plus fort. Là, normalement, ça va être beaucoup plus fort. Si c'est trop fort, vous me dites encore, je fais les réglages et on refait les modifs, tout ci, tout ça. Vous connaissez, hein, comme d'habitude, on bricole en live, c'est notre passion, quoi. Ah, ça va, Knil? Eh ouais, le live du samedi soir, ouais. Ouais, bah à la base, je comptais pas live sur YouTube, à la base, c'était Twitch. Mais petit changement de programme suite au Futchamp qui a merdé les serveurs, on va dire, de EA. Donc du coup, voilà, je me retrouve sur YouTube. On crée une Team Saiyan. Je sais plus du tout, j'ai plusieurs teams à faire, j'en ai plusieurs, ça c'est sûr. J'en ai plusieurs, je sais plus lesquels, mais on va regarder justement, et puis on va essayer d'en faire au moins une ou deux, ça serait bien, de manière à avancer, puisque il nous reste tout ça à faire en team. Donc il nous en reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 7 teams à faire encore en Goku Rush, ça fait quand même beaucoup mine de rien. On va essayer d'en faire au moins une ce soir, voire deux, si on n'est pas trop lent, et en espérant eh bien que ça se passe bien. Ça va quoi Redemption, tranquille. The Gazelle Game, salut aussi, ça va aussi? J'ai regardé ton let's play sur Naruto Storm 4 car j'en avais marre du Storm 2 que je joue. Ah, il est génial Storm 2 aussi. Moi, c'était mon préféré Storm 2. C'était mon préféré. Quoique, en vrai... Ouais, Storm 2, en fait, c'est là où j'ai découvert un peu le truc aussi. Oh putain, le sub! Merci Flamengo! Merci! Merci à toi, bienvenue du coup, bienvenue, merci pour le sub, tu régales de ouf. Et bienvenue dans la team des subs du coup. Merci, merci à toi, ça régale. D'ailleurs, je pense qu'au niveau des subs, bientôt on va mettre des récompenses en place, parce que là, pour le moment, vous avez un avantage, en fait, vous êtes plus visible sur le chat, vous avez plus de visibilité du coup sur le chat, vous avez les émotes et tout. Je vais essayer de mettre en place un système qui, parmi les subs, permettrait une fois par mois, parmi tous ceux qui sont subs, de faire un tirage au sort parmi ces gens-là, et de leur faire gagner entre guillemets un cadeau une fois par mois, ça peut être pas mal. J'ai plein de trucs à faire gagner en vrai, donc ça peut être super intéressant pour les subs. Comme ça, au moins ça donne une petite chance aussi en plus de gagner un truc quoi.
C'est quand qu'on se le fait le Apex. Je sais pas du tout, Redemption. Bah, si tu veux, après mon live, on peut faire une ou deux parties. Il n'y a pas de souci. Hein. Bah, t'inquiète, oui, t'inquiète. T'inquiète même pas. Ouais, non, mais je trouve ça pourrait être intéressant de ouf. D'ailleurs, j'ai vu que je pouvais créer un lien pour que je mettrai dans la description ou que je mettrai dans les commandes d'ailleurs d'Ouiz, tu sais, pour les modos, de manière à mettre un lien qui permet aux gens de sub directement pour ceux qui savent pas où c'est. Tu live tard ce soir, dis donc. Ouais, c'est vrai, comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne, on se retrouve. C'est beau. Avec la musique à l'ancienne aussi derrière. Incroyable. Bref, du coup, on a quoi comme team à faire? Saiyan 200 mêlée. Survie de l'univers. Divin. Puissance max. Transformation fortifiante. Boss des films et héros des films, je crois, non? Boss des films. Ouais, héros des films. Ouah, wow, Yotake team. Go, transformation fortifiante. Toi, tu commences pas par la plus facile, non? Attends, transformation fortifiante, il y a qui dans l'équipe? Je me souviens pas de qui. Hein. Donc, fusion, on l'a fait, c'est bon. Ça, c'est une team à part. Héros des films, j'ai ça, mais il y a zéro défense. Donc là, on se fait éclater comme jamais. Donc, il va falloir la modifier. Saiyan pur, ça, non? C'est quoi, ça? C'est Saiyan pur? Ouais, on l'a fait, Saiyan pur, non? On l'a fait hier, hein, Saiyan pur. Hein. Je me souviens pas. Mais aussi, on l'a fait, Saiyan pur, mais c'était pas avec ça. Je sais pas c'est quoi, cette team. Saiyan 200 mêlée, j'ai ça, effectivement. Qui est pas mal. Mais il faut faire quelques modifs parce qu'il y a des persos qui tankent pas dans l'histoire. Survie de l'univers. Ah, j'ai une team, elle est incroyable en survie de l'univers. Elle est magnifique, mais on peut la modifier. Va en team divin, s'il te plaît. Bah, vous choisissez. Je vous laisse choisir. Je vous laisse choisir. Saiyan pur, c'est simple. Ouais, Saiyan pur, en vrai, on l'a fait hier, les gars. On l'a fait hier. Walid, Barika, on l'a fait hier. Lilian, l'OST, c'est Naruto Storm 3, Naruto vs Sasuke. Ouais, c'est Naruto Storm 3, ouais, exact. Bien vu. C'était ça. Essaye de faire héros des films plus transformation fortifiante. Héros des films, super simple. Héros des films? Héros des films, c'est super simple. Attends, héros des films, j'ai qui, moi, dans la team? Merde. Oh, d'ailleurs, je vais avoir besoin de votre aide. On va construire la team héros des films, d'accord? On va enlever tout le monde. On va se mettre un truc. Héros des films, il est où? Il est là. Il est là, il est là, il est là. Lilian, j'ai une question. Pour réveil Super Vegeto Blue LR, je dois avoir des médailles de Potala, mais je les ai pas assez de persos pour avoir fait les... Attends, mais j'ai pas assez de persos pour pouvoir faire les missions enquête. T'as des conseils à... Ouah, ça remonte à il y a tellement longtemps, le Super Vegeto LR. S'il y en a qui peuvent t'aider dans le chat, j'espère. Parce que moi, je te jure, je me souviendrai pas du tout de tout ça. Vraiment. Vraiment, ça va être chaud, quoi. Du coup, héros des films. Héros des films, du coup c'est Gogeta, c'est ça, hein, le leader. Ouais, c'est Gogeta. Bah, du coup, on va prendre lui. Ah, bah, effectivement, ah, bah, il y a Goku Vegeta. Oh, bah, ça va, s'il y a le Goku Vegeta, s'il y a les frérots, tout va bien. Gogeta LR, j'imagine aussi. Gogeta LR, évidemment. Il nous en reste deux à prendre. J'imagine qu'il y a un Tapion qui pourrait être intéressant dans l'histoire. Parce que Tapion, je crois, il tanque bien. Il y a qui d'autre là qui pourrait être bien là qui tanque vraiment bien, 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 bien. Y'a qui d'autre là dans cette histoire? Après, je les connais pas tous. Goten, Gohan LR. Goten, Gohan LR, il stack. Augmente fortement l'attaque. Attaque et défense 58%. Ah, c'est pas. Ouais. Ouais. En gros, il augmente sa défense. Ouais, Gogeta ZTUR. Gogeta ZTUR, il fait quoi? Inflige des dégâts colossaux. Attaque et défense. Plus 77%. Attaque et défense plus 20%. En plus, il y a un allié de catégorie famille Son Goku dans l'équipe. Attaque et défense 20%. En plus, il y a un allié de catégorie famille Vegeta dans l'équipe. Ok. Ouais, en soi, c'est pas mal. Gogeta LR et Gogeta ZTUR. Ouais, j'avoue que Gogeta ZTUR, ça peut être pas mal. On peut le tenter avec Gogeta ZTUR. Effectivement. Son Goku LR. Prends le premier LR. Le premier LR. Son Goku LR, hors de question. Surtout pas, trop dangereux. Gogeta ZTUR, c'est pas mal, mais non, parce que ça tanque pas, en fait. Il tanque pas, enfin, il tanque les auto-attaques, mais c'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Bah, Jojo, il faut avoir les bonnes teams, hein, faut avoir les bonnes teams. Gohan, Goten LR. Ouais, mais Gohan, Goten LR, j'ai peur qu'il se fasse vraiment écraser, en vrai. J'ai vraiment peur pour sa vie, hein. Le Goku à râler. Il fait quoi, Goku à râler? Ah non, ça vaut pas le coup, hein. Ça va pas être assez solide, en fait.
Ah, il est incroyable, Valence. Enlève le Gogeta de base forme et mets Goten ZTUR. Goten ZTUR. Ouais, alors voyons voir. Mais je crois qu'il tanque pas Goten. Attends, quoique. Ah, défense plus 30% pendant 3 tours. Ouais, mais est-ce qu'il cumule du coup? Est-ce qu'il cumule en vrai? Parce que imaginons du coup tu augmentes ta défense pendant 3 tours. Imagine tu reviens dans la rotation au bout de 2 tours. Est-ce que tu peux aller stack prends Gohan LR mec. Ouais. Ouais il augmente, non mais il résiste quand même. Il cumule pas non. Ah c'est dommage, il tank 10 fois mieux que Gogeta puis et oui il cumule. Ça peut se tenter, donc j'enlève le Gogeta ZTUR si vous voulez, pas de problème. Et vous me dites de mettre Gohan Goten LR. Ça peut se faire aussi, hein. Ah oui, à chaque attaque portée, il prend 10%. Donc du coup, au total, il aura 100%, c'est ça. Goten ZTUR, c'est bon, on l'a mis. Goten ZTUR, on l'a mis, les gars. On l'a mis déjà. Bah, Tapion agit, c'est intéressant. C'est intéressant aussi. Ouais, Gohan Goten, ça me fait peur, hein, parce que la dernière phase... Bon, j'aurais peut-être mis un Tapion, quoi. Il résiste bien, le Gohan Goten, à chaque attaque portée. Ok, bon, on peut tenter comme ça. En vrai, ça me va. J'ai peur quand même, mais ça se tente. Tu sais quoi, vas-y, on va y aller comme ça. J'ai juste besoin de votre avis avant d'y aller. Ah, je sais pas, t'es dragon, j'avais envie d'écouter des OST de Naruto ce soir, donc faut pas m'en vouloir. Pourquoi le Godku LR n'est pas dans la team héros des films? Parce qu'à la base, c'est un animé, en fait. Mais oui, c'est vrai qu'il est aussi en film, effectivement. Mais à la base, ouais. Ouais. Quoique, le film est sorti avant l'animé, donc oui, c'est vrai qu'effectivement, il pourrait être dedans. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai besoin de votre aide, parce que du coup, il y a un super Battle Rod que j'ai toujours pas fait, là. C'est celui du Commando Ginyu. J'ai les unités... Mais je ne trouve pas les médailles pour évoluer les unités, en fait. Je ne sais pas où on trouve les médailles. Je ne comprends pas. Je regarde dans l'event, j'ai pas trouvé. Et pareil, RIP le loot. Ah putain, désolé le loot. Pardon, excuse-moi. Hein. Excuse-moi l'ami. Désolé. Hein. C'est dans les missions. Ah, il y a des missions, en fait. D'accord. Putain, ça me gratte. Mauvaise idée, t'aurais dû prendre Tapion. Ouais, on verra. C'est la semaine, c'est dans les events. Ah, c'est pour ça, en fait. Faut faire les missions dans la semaine. Tu peux pas le week-end, d'accord, ok. Ok, c'est dans les missions à chaque fois de chaque event. Ok, très bien. Faut faire les niveaux plein de fois. D'accord, ok. Mais le truc, c'est qu'ils sont déjà Spedis. Putain, ils sont au max Spedis. J'ai pas envie de refaire les niveaux, quoi. Mais bon. Bah ouais, Lucas. Attends, il faut bien, quoi. Bref, on y va. Goku Rush. Du coup, héros des films, on a dit on démarrait aujourd'hui. Bah, c'est parti, hein. Lyon, on jouera Naruto Storm 4 une fois, s'il te plaît. Mais j'ai plus rien à faire sur Storm 4, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a plus rien à faire. Tac. Je skip ça. Je vais mettre mon téléphone en charge. Il me faut du Gogeta, par contre. Si j'ai pas de Gogeta, ça va être la merde. Héros des films. Ouais, il y en a un 100%. Let's go. Ah, j'ai mon truc qui s'est rallumé ici, tiens. C'est assez rigolo. Je sais pas pourquoi il s'est rallumé d'un coup. C'est pas ma team, ça. Du coup on est parti avec ça. Bah écoute, j'espère que ça va bien se passer. On verra. 450 000 HP. Ok, très bien. T'as vu le chapitre Dragon Ball Super? Si oui, t'en penses quoi? Non, je ne regarde pas. Parce que si l'anime reprend un jour, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe, t'as vu, et d'être dégoûté. Enfin, de pas avoir la même magie, tu vois. Migaté, éclaté. Éclate Gohan Goten LR. Ouais, Nini Blague, je me doute, hein, mais bon, on va tester quand même, on va voir. Ce que ça donne. Du coup, il me faut Vegeta Blue et Goku dans les mêmes rotations, si possible. Bon, par contre, Vegeta, je le laisse dans sa rotation parce que là, il va commencer avec un tour tout simplement incroyable. Pff, Gogeta, c'est pareil. Et Goten, j'ai envie de te dire, c'est la même ici. Il y aura un DLC Momoshiki et Kinshiki. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Ça, j'ai vu par contre. Ah, je prends un 37 000. Ah bon, très bien, monsieur. Tu commences sur un 37 000. D'accord, c'est ce qu'on va voir, ça. Lundi, il y a une nouvelle mise à jour Vikings sur Dokkan, puisqu'il y a un nouveau personnage qui sort. Donc, lundi, avec le couleur multiforme. Tu aurais dû enlever Gogeta End de la rotation. Ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, les deux, ils vont têche de la rotation. Je garde Vegeta.
Ah non, ah c'est pas bien. Ah non, ah tout ce qu'il faut pas. Ah je suis dégoûté. Bon bah c'est pas grave. Ça prendra un tour de plus, mais c'est pas grave. Enfin, ce qui est grave, c'est que. Ouais, bon, c'est un peu grave, mais bon, ça va. Ça va, ça va. Je suis obligé de Tajin Gogeta quand même. C'est comme les scans de Boruto en animé, ça va être incroyable. En animé. Ah ouais, à ce point, ça devient lourd en scan Boruto. Faudrait vraiment que je m'y remette à Boruto. Hein. Vraiment, hein, faudrait vraiment que je m'y remette. Ah ouais, Dewey, tu mets combien dessus du coup? Seven Deadly Sins sera en global, donc en France, il y a. Oui, je sais, je suis au courant, ne t'inquiète pas, je sais, je sais. Neto Mabaru, t'inquiète qu'ils ont l'habitude de faire les jeux en français, donc ça va le faire. Ouais. Ça va le faire, ça va le faire. Ouh là. Ouh là là, ouh là là. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. On va se la jouer comme ça. Gohan Goten LR. Ouais, t'avais 69 000 quand même de défense là, mais bon. Malheureusement, je vais t'envoyer bouler dans les rotations. Zloop. Allez, go. Ok. Bon, ça va faire mal ce tour-là, il va piquer aussi. Je trouve ça débile les DLC sur Storm 4, Momoshiki. Pourquoi le foutre maintenant, le jeu à 4 ans? Je sais pas. Tout ça, en fait, c'est parce que le jeu, je crois, il sort sur la Switch, à moins que je me trompe. Je crois, il sort sur la Switch, du coup, pour faire en sorte bah, de faire que les gens achètent, on va dire, le jeu sur la Switch. Bah, du coup, voilà, on te rajoute un petit DLC, quoi. C'est tout, merde. T'es encore en vacances, Ilan? Ouais, je suis encore en vacances là, pendant une semaine, ouais. Ouais, carrément, ouais. Petite vacances là et tout, pépouze, on est là. Hein. Non, non, on est bien là. Du coup, Gogeta, il a combien de défense là? 88 000, là, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde, Goten. Bon, Goten, de toute façon, tu serviras pas à grand chose sur cette phase. Désolé, l'ami. Voilà, j'envoie Goku dans la rotation parce que du coup on va le récupérer assez rapidement pour le mettre avec Vegeta Tech. Voilà. J'étais vraiment déçu par Storm 4 au niveau de l'histoire par rapport à Storm 3. Storm 3 avait, je pense, la partie la plus intéressante au niveau de l'histoire, ouais, clairement. Storm 3 était plus intéressant, c'est sûr. Même Storm 2. En fait, le 4, il est trop rapide. Ouais, je pense en faire 4 aussi, oui. Je pense 200 DS, c'est très bien. Pas plus. Après, ça devient dangereux. J'ai pas trop d'argent à mettre en ce moment dans Dokkan, donc on va rester sur 4 et on va se calmer, quoi. Et la transfo qui proc. Ok, très bien. D'accord, ok, Ace. Intéressant. Non, mais c'est intéressant à savoir, du coup. Intéressant, intéressant. Y aller, y aller. Y aller, y aller, on va se régénérer. Allez, go. Qui a le plus de défense entre Gogeta Blue, 95 000 et 118 000? Gogeta Blue, il fait quoi quand il est transformé d'ailleurs? Que je regarde. Augmente fortement l'attaque pendant 3 tours et inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Ok. Attaque et défense, 130%, donne lui une grande chance d'esquiver l'attaque ennemie. Ah ouais, bah je vais le garder alors, Gogeta Blue. Je vais le garder. Je vais le garder, je vais le garder. J'envoie Gogeta dans la rotation. Est-ce que tu crois que Dokkan va s'arrêter d'ici 2 ans? Non, je pense qu'il y a encore quelques années. Hein. Clairement. T'inquiète, Lucas, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Là, on va passer à la phase SSJ2. Et la transformation de Gogeta aussi. Let's go. Tous les Gogeta sont transformés. Ils sont tous énervés. Ils sont chauds patates. Let's go. Ah, c'est une phase tech là. J'avais oublié ça. Ah ouais, non, mais ça me parle pas, ça. Ça me parle pas bien, ça même. À votre avis, je garde qui? Gohan Goten dans la rotation? Ou je garde Goten? Je sais pas quoi faire là en fait. Là, j'avoue, je sais pas quoi faire. Non, Nicolas, t'as pas raté grand chose, t'inquiète. Catégorie Namek, y a pas après, y a pas à ça. Il critique toujours le Gogeta. Ouais. Fais le petit train. Tchou-tchou! Voilà, c'est cadeau. Non, c'est bon. Ah, vous allez pleurer avec les OST Naruto. On va changer alors. Garde Gohan Goten et Gogeta Blue. Ouais, tu penses? Ouais. Bon, je peux faire ça en vrai. Oui, ça peut très bien se faire. Hein. Vas-y, tu sais quoi? On va faire ça. Ouais. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Et Goten, tu vas partir ici. Hop là, parfait. En plus, on régène un peu et tout. Juste, on prend pas l'aspect là-dessus. Ok, 20. Parfait. En plus, il esquive. Oui, c'est vrai qu'il esquive. Il critique, il fait mal. C'est vrai, c'est vrai.
Et lui, il fait des attaques supplémentaires aussi, donc ça fait plaisir. Ouais, deux, donc du coup, il a mis 1 200 000. On va partir pour l'attaque suivante. Elle est belle ta couette derrière, tu l'as eu. Bon, franchement, elle a rien de spécial. Hein. C'est une couette, y a des dauphins dessus, les gars. Hein. C'est juste une couette de rechange, quoi. Le temps que la mienne, je la lave, c'est tout. Hein. Ça fait toujours son effet, ça, des solos. Ouais, c'est vrai. Ça dit une solo, ouais, c'est vrai. Non, mais toutes les OST de Naruto sont incroyables. Hein. Moi, ma préférée, c'est quand même Man of the World. Man of the World, elle est juste incroyable. Vraiment, c'est le frisson, ça. Bon, on l'a bien atomisé, là. Ok, on a les deux frérots qui sont côte à côte, ici. Bah, c'est parfait, ça. Hein. En vrai, c'est parfait. Les deux frérots qui sont côte à côte, ils vont pouvoir commencer à aller faire des gros bobos. Bah, j'envoie mon Gogeta dans la rotation. C'est pas grave, hein, tant pis pour lui, mais il n'a pas sa place, ici. Il n'a pas sa place. Le thème de Kimimaro, putain, je m'en souviens plus de celui-là. Lilian, je voulais te dire, regarde Solo Leveling, c'est un webcomic manga, c'est de la frappe atomique, un conseil, va lire si tu veux. Putain, tu sais qu'en ce moment, je regarde rien, c'est abusé. En ce moment, je regarde rien, je suis perdu, hein. Je suis perdu dans la matrice. Ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Ah putain, je suis obligé de... Franchement, j'ai limite pas envie de partir en spé avec Gogeta, mais pour que l'autre il ait les sphères, mais bon. J'ai pas le choix. C'est bon en plus, c'est bon, il a les spé, parfait. Ça a stylé cette OST aussi. Je suis prêt, Lizox, pour couleur multiforme. T'inquiète que je suis prêt, ouais. Je viens de commencer il y a pas longtemps Dokkan Battle. Comment on peut avoir des box de ouf comme la tienne, des conseils s'il te plaît. Speed Shadow, si tu veux avoir une box comme la mienne. Soit tu joues depuis de longues années, soit tu fais péter la carte bancaire comme personne l'a fait péter, et dans ce cas-là, tu rattraperas mon compte. Mais vraiment, fais partir en auto le Gogeta Blue pour faire stack les autres. Ouais, c'est pas con, c'est vrai que c'est pas con. Oh putain, je vais manger une spé là par contre. Ouais, Gogeta Blue, ça tanque pas hein, sur les spé. C'est possible si tout. C'est possible. Oh là là, oh, il y a les trois changeurs de ki là, incroyable. Oh, incroyable les trois changeurs de ki. Oh, mais non, parce que là je pars en Dokkan mode. Ah, il faut absolument pas que je parte en Dokkan mode sur lui là. Oh oh. Faut absolument pas que je parte en Dokkan mode là. Qu'est-ce que je fais à votre avis là? Ah merde. J'avais pas prévu ça au menu hein. Ah ouais, non, j'avais vraiment pas prévu ça au menu. Je kick le live, je dors. Ça marche, Crouton, mais bonne soirée à toi, du coup. Merci d'être passé. Hype de Nanatsu, j'espère qu'il sera assez révolutionnaire et que les jeux gacha prendront exemple sur celui-ci. Révolutionnaire, Stan, je sais pas, mais il est très très bon, ça, c'est certain. À cause de toi, Lilian, je vais recommencer Naruto en entier. Allez, chauffe-toi, let's go. Hein. Je prends les bleus, là. Tu pars pas avec les Ki End. Ouais, je prends les bleus. Je prends les Indes avec Goten. Ouais, je prends les Indes avec Goten. Ouais. Ah, j'ai... Ah ouais, non, mais attends, t'es sûr? Je pars pas en Dokkan mode si je fais ça? Vas-y. Non, c'est bon, ça passe. Ouais, bien vu. Allez, Vegeta, j'espère que tu me l'asmates comme t'as jamais asmaté quelqu'un, parce que là, du coup, faut qu'on le tue entre toi et Goku, là. Bah, Dragon Ball, j'attends pas plus que ça Kefla, parce que je ne joue pas à Fighters, en fait. Mais je crois qu'il est déjà sorti, en plus. Elle est déjà sortie. Oh, je le tue pas. Je vais prendre cher là, non? Il y a moyen de prendre cher sur ce tour. Bon, ça va. Il a pas fait de spé. T'es beau, Lilian. Merci, Rédemption. Mais c'est toi le plus beau. Moi, je ne suis qu'un simple Lilian. Non, en vrai, je suis pas beau. Aujourd'hui, j'ai les cheveux longs et tout. Ça va pas du tout là. T'as vu en plus? Oh, souvenez-vous, il y a quelques années en arrière, j'avais pas autant de cheveux blancs. Là, maintenant, ça y est, je suis tout blanc ici. Ça y est, c'est fini. On dirait un papy, quoi. C'est un truc. Ah, je suis dégoûté. Comment je fais pour pas partir en Dokkan mode là? Comment je fais? Je suis obligé de faire des auto-attaques. Je suis obligé de faire des auto-attaques, on est d'accord? Oh, mais comment je suis censé faire là? Comment je suis censé faire? Ouais, Voljean, il y a eu un changement de programme. On fait une couleur. Ouais, bientôt je vais refaire le gris là. Tu le tues avec les critiques. Ouais, avec les critiques, mais non. Fais un full dégradé surtout sur ton crâne. Non, mais en général, je fais un gros dégradé, oui. Mais bon, là. Là, le truc, c'est que j'ai les cheveux longs, il faut que j'y aille au coiffeur.
Enfin, faut que j'y retourne. D'ailleurs, c'est laquelle, Man of the World? Je me souviens plus. Ah, Béol Brian, va l'écouter, tu verras, elle est incroyable. Otto, il croise les doigts pour l'attaque sup. Assez chaud hein, de croiser les doigts sur ça. Par contre, en fait, je vais avoir un problème. En fait, le problème, c'est que je suis obligé de partir en Dokkan Mode. Tu pars en Dokkan Mode obligé, là. Ouais, je suis obligé. Techniquement, je suis obligé. Ou sinon... Eh non, bah si. Ah si, je suis obligé. Ah, je tente un truc, mais... Je suis obligé, ouais. Je suis obligé. À moins que ça fasse une attaque supplémentaire, Gogeta, et dans ce cas-là, vivons heureux. Ah non. Oh oui. Oh, let's go. Eh ben voilà, on l'aura pas fait le Dokkan Mode. T'es nul. Ouais, je sais, Iwai. Mais pas aussi nul que toi. Oh, l'attaque supplémentaire, elle a fait du bien, là. Là, elle a fait du bien de ouf. Hein. Elle a fait archi du bien. Ah, ça m'arrange pas, là, cette histoire, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Qui a le plus d'attaque, là? Ah ouais, ok. Ah ouais, mais t'as que 3 sphères de ki vertes, là. Oh, putain, je sais pas avec qui partir. Techniquement, il vaudrait mieux que je parte avec Goku. Le truc, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a que 4 sphères, quoi. Il prend combien? 10% non, à chaque sphère? C'est quoi? Combien il prend? 10%, j'abuse, peut-être. Ah non, 20, attaque 20%, ok. Gogeta. Non, Gogeta, non. Mets le Goku en first. Ouais, je pense que c'est mieux. Hein. Non, ça va, en vrai. En vrai, ça va tartiner de ouf. Oh, Vegeta, par contre. Oh, les valeurs, là. Oh, les valeurs de Vegeta. Regarde ça. Ah, les valeurs de Vegeta, incroyable. Goku risque de prendre cher. Il y a peut-être moyen qu'il prenne cher. Bouh, Vivi! Allez, vas-y, on va voir. Vivi, j'étais en train de leur dire que je me trouve moche parce que mes cheveux, ça va plus, là. Faut que j'aille chez le coiffeur. Est-ce que tu joues à Yu-Gi-Oh! Duel Links? Non, du tout. J'y joue plus du tout. Ça fait un moment que j'y joue plus, les gars. Malheureusement, j'ai abandonné ça. Après, Yu-Gi-Oh! Le truc, c'est que je suis pas un grand connaisseur, en fait. C'est un peu le souci, quoi. C'est que moi, je m'étais arrêté après l'arc de Marek et c'est tout, quoi. Mais ça a trop évolué. J'ai réellement mis 700 000 là en Dokkan Mode ou j'ai rêvé? C'est quoi ta team? Héros des films. J'ai réellement mis 700 000 là? Ah ouais, non, c'est pas cool quoi. C'est vraiment pas cool là ce qui s'est passé. C'est vraiment pas cool. Attends, rassure-moi, ton Goku est Spédis. Bien sûr qu'il est Spédis, évidemment. Évi... 166 000, ah ouais. Évidemment qu'il est Spédis, oui. Non, mais j'ai pas compris, là, ouais. J'ai archi méga giga pas compris pourquoi autant de haine. Par contre, les liens de qui, là? Oh. Ça va pas du tout, les liens de qui, hein. Je suis obligé de mettre Gogeta en premier. Oh, yes. Alright. Let's go, ça. Bah, let's go. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne, ce tour. T'as pas esquivé l'attaque. Hein. Ah, mais je suis pas parti en spé avec Gogeta. Merde, j'ai pas fait attention. My bad. J'ai pas capté. Boum, 1 million. Julien, tu passes une bonne soirée. Ça va, tranquille, hein. Tranquille. Ouais, mais Vivi, t'es d'accord que là, les cheveux, ça va pas, là. C'est trop long, là. Ça va plus du tout, hein. Ça va plus du tout. 300 000 ici, 10 000... Et 11 000, ok, ça va, on prend pas de spé, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oh non, mais ça c'est relou par contre là, comment ça se passe là? Oh. Ouais, c'est toi qui as le plus de défense là. Bon, pas le choix, hein. Slack. Ça va en vrai. Ça va, en vrai ça va. Ok, ils sont sur le même pied d'égalité. Ok, tout va bien. Ça va et toi, Lulu, the best? Tranquille, en forme? Tu prends quoi comme objet pour le Goku Rush? Tu prends C8. Tu prends Ebi, princesse... Oh, 51 000, princesse Ebi. Tu prends Phantom Portier et un Whis. Ou si t'as pas le Whis, tu prends le petit dragon. Voilà, le petit dragon.
D'ailleurs, t'es pas prêt pour la suite de Natsu no Taizai avec Estarossa. Comment ça, si tout dans la saison 3, tu veux dire? Saison 3, je regarde pas. Bien vu, Enidraou, bien vu, bien vu. T'as combien de doublons sur les deux Blue? Alors, il y en a un qui est 100%. Ah non, sur les Blue, il n'y a pas de doublons, non. Oui, non, sur le Goku et le Vegeta SSJ Blue, j'ai pas de doublons dessus. Ouais. C'est un peu la crise. Oh, la fusion qui intervient au bon moment. J'ai pas de doublons dessus, donc du coup, c'est pas aussi simple que ça pourrait l'être, en fait. Ils critiquent pas dans tous les sens ou quoi, tu vois. Stylé les tableaux derrière. Ouais, ils sont sympas, ouais. Ils sont sympas. Attends, parce que là, Gogeta, c'est peut-être mieux que je le garde maintenant, bon. C'est pas plus intéressant de garder Gogeta, là? Il a pas des chances d'esquive et tout, un truc comme ça, là? Ah non, même pas. Non, non, je pensais autant pour moi. Autant pour moi. Je pensais qu'il avait des chances d'esquive ou des conneries. Ouais, non, mais je sais, Lucas, ouais, que là... Je sais que c'est compliqué pour Nanatsu, la saison 3. J'ai vu les dessins de l'épisode 12. C'est un calvaire, quoi. T'es rang combien? 401, ça y est, j'ai passé les 400, ouais. Lilian, tu devrais prendre Goku SSJ 3 or. Or? Goku SSJ 3 or, c'est qui celui-là? C'est lequel? Oh putain, je mange une spé sur qui là? Guan Goten LR. Alors on va voir s'il tank si bien que vous me l'avez dit. À 148 000 après être parti en spé, et vous me dites il tank? J'aurais jamais dû le prendre dans le run lui. Vraiment, par contre, ouais, Guan Goten LR, je me doutais que ça allait chier dans quelque part. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Ouais, Squeezie, ok, ok. À quelle heure le live s'arrête? Quand j'aurai décidé qu'il s'arrêtera. Pour le moment, on est à 30 minutes. T'inquiète quand elle continue. Ma foi. Ma foi, ça peut être moyennement moyen. Mais ouais. En fait, là, quand t'as le Goten qui intervient, ça fout la merde. Parce que du coup, je crois qu'il faut des sphères de ki de leur couleur. Ouais, c'est ça. Il faut des sphères de ki de leur couleur, quoi, si possible. En vrai, c'est pas ouf à chaque fois, là, le fait que... 1, 2, 3, et là, t'en prends 4, et tu prends une comme ça. 4, 5, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est plus intéressant d'aller ici, du coup. Bon, après, ça va, on régène bien. 100 000, 192 000 de défense, ok. Oh, Goten, à la fin, il va prendre... il va prendre cher. Attends, Goten, il fait quoi déjà aussi en passif? Ouais. Ok, il va augmenter sa défense en gros. Ok. En gros, le principe c'est qu'il augmente sa défense. Bah, j'ai archi pas le choix en fait. Je suis obligé de le faire partir ici. Ok. Bon, bah, on va voir item. On va voir peut-être sans item. Bah justement, voilà. Bah justement, ça va passer sans item parce qu'il envoie l'aspect sur Vegeta. C'était le but en fait. Et là, ça passe. Donc du coup, voilà, on subit que 37 000. Goten à la fin, bah, il va prendre peut-être un peu cher, mais au final, pas tant que ça parce qu'il mangera pas de spé. Donc en vrai, ça va. 700 000 ici, ok. Il m'en reste 7 à faire, Squeezie, des catégories encore. C'est quel défi là? Là, c'est héros des films ce soir. Héros des films pour le Goku Rush. Salut Joe Bendo, salut, salut. On est sur la catégorie héros des films pour ceux qui posent la question, pour ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à vous d'ailleurs au passage. Ouais, c'est sûr, Shay, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah ouais, Doui, à ce point? Mais attends, mais tu m'avais pas dit que tu restais sur la Jap, toi, Doui? À la base? Oh, le petit active skill. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser maintenant? En vrai, oui, parce qu'on est sur le type agilité, donc franchement, allons-y. Ah, mais il y a le SSJ3 derrière! Bon, c'est pas grave, en soi, c'est pas grave. Vas-y, envoie la sauce. Allez, c'est pas grave, en soi. Mais c'est vrai qu'il y avait le SSJ3 qui est aussi agi, quoi. Je vois, Doui. J'y vois. S'il faut, tu vas avoir un bon compte et tu vas te prendre au truc et tu vas rester sur la... Oh non, là, on va passer un sacré tour de merde, par contre. Hein. Oh, je suis archi obligé de faire ça, en vrai. Je suis archi obligé de faire ça, quoi. Ah, j'ai... ah mais oui, c'est vrai qu'on l'a déjà fait la SSJ3, je suis au SSJ Blue, je suis con, bah oui. Oui, je suis con. Oh putain, je sais pas quoi faire là. Ouais, c'est vrai que je l'ai fait le SSJ3, mais en fait, vu que je parle et que je réponds aux questions et tout,
Non, Gogeta, il esquive. Ouais, il a grande chance d'esquiver, mais il esquive pas tout le temps, tout le temps, tu vois. C'est un peu le problème, quoi. Je suis obligé, t'es beau. Merci Rédemption pour le loot. Merci, merci. Je suis obligé quoi. Le truc c'est que c'est grande chance d'esquiver, mais si on n'esquive pas, on part en enfer en fait. C'est un peu le problème quoi. Et voilà, si on n'esquive pas ça, on est mort. On l'a pas esquivé. On l'a pas esquivé. Ah, ben adieu. Bah GG. GG, ce fut sympathique. Ce fut sympathique ce run, mais malheureusement on a perdu sur ça. On va le recommencer, on va le recommencer. Mais on va changer 2-3 unités parce que des choses un peu dérangeantes là. Ah, c'est maintenant que t'esquives, ah, c'est maintenant que t'esquives. Hein. C'est maintenant que t'esquives. Hein. T'as pas honte? T'as pas honte d'avoir fait ça? T'as pas honte? Ça marche, Vikings. Bonne soirée à toi du coup. Hein. Oh, attends, à tout moment, attends, à tout moment, on n'est pas mort. À tout moment, on n'est pas mort. À tout moment, on n'est pas mort. Sois royal. Critique. Oh, on n'est pas mort. Oh, le miracle, le miracle. Non, mais le miracle, il est incroyable. Il est incroyable, le miracle, là. Oh. Ah ouais. Ah ouais. GG. Ah ben là, ouais, là c'est GG quoi. Parce que là, pour le coup, ça se joue à rien quoi. Ok. Cette chatte deux fois. Ouais, de ouf. Je vais boire un coup parce que là, franchement, waouh. Ah, pour moi, c'était fini. Hein. J'étais mort et enterré quoi. Déjà, il m'a fait les deux esquives sur les auto-attaques juste après avoir mangé l'aspect. Et derrière, le dernier Gogeta qui envoie une attaque supplémentaire au corps à corps, du coup, et qui tue le Goku, incroyable. Ah, Yu-Yu, tu coupes avec, comment ça s'appelle? Avec OBS, tu peux couper. Tu restes appuyé sur Alt, et tu coupes. Bonsoir, Lilian, ça va bien? Ouais, ça va, tranquille, hein. Tranquille, tranquille. Waouh, il attaque beaucoup de fois à la fin, l'autre. Il attaque beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Je sais pas quoi faire, là. Héros des films. Exactement. C'est ça, c'est un coup, héros des films. Lilian, il paraît qu'il y aura un LR exclusif à la globale en même temps que le couleur MF. Je sais pas qui a inventé ça, mais bon. Migaté désactive l'esquive à la dernière phase. C'est pour ça que les Gogeta, ça va être sur la fin. Mais une princesse Ebi. Je peux éventuellement mettre une princesse Ebi, ouais. Je peux, ouais. Je suis obligé de mettre Goku en premier, même si c'est le mauvais type. Malheureusement, je suis obligé parce que Vegeta, là, j'ai pas les sphères de ki. Après, je peux mettre Vegeta quand même en premier, mais. Je sais pas qui mettre en premier. Double item. Non, 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 du tout, du tout, du tout. En fait, je sais pas si je mets Goku en premier à la fin. Il fait pas de spé. Ouais, Gogeta va prendre Bagdad. Ouais, Gogeta il va prendre Bagdad, c'est sûr. Le tech en first. Ouais, mais le tech, du coup, j'ai que 3 sphères à récupérer, quoi. C'est pas oufissime non plus, donc du coup, je vais pas beaucoup augmenter ma défense en fait. Ouais, mais là, Sankoum, il aura pas 2 millions de défense, là, malheureusement. Mais. En vrai, j'ai envie de la tenter comme ça, quand même. Mettre un peu là les sphères de ki quand même. La tenter comme ça. On régène un peu. Là on est à combien de défense? 142 000, 162 000, 134 000 ici. Spé ultime. On va voir. Ouais, ça va. Goku il tank de ouf en vrai. Ah, Goku il tank de ouf en vrai. Incroyable. Ouais, c'est ça. Ah, oh, putain, il me fait une esquive lui. C'est sérieux? Ah, c'est vrai qu'hier on avait mis un quart d'heure à le tuer, je crois. Ah, c'était peut-être l'autre après, je me souviens plus. N'oubliez pas les pouces bleus. Ouais, carrément, n'oubliez pas les pouces bleus, les gars, ça fait toujours plaisir. Hein. Vivi a la raison. Vivi, c'est la voix de la raison. Si vous vous énervez contre Vivi ou que vous la contredites, elle se transforme en kit Vivi et après, c'est pas bon pour vous.
C'est obligé, je mange une spé sur Gogeta. Même pas. Oh putain, j'ai de la chance. Ah bah si. Eh bah si. Aïe aïe aïe. 200 000. Waouh. Waouh. Waouh waouh. Ah, ça fait pas plaisir, hein. C'est sûr que quand ça tombe. C'est sûr que quand ça tombe, ça fait vraiment pas plaisir cette histoire-là. On peut la tenter comme ça. Voilà. Ah putain, mais je me suis soigné déjà. Comment je fais là? J'ai 130 000 PV. Est-ce que je porte mes balls? 200 000 sous item en plus. Oui, c'est vrai, en plus j'étais sous item, ouais. Un Franky. Ah, mais ça me fait chier de claquer un Franky sur ce tour en vrai. Il se paie au bout de sa 8ème attaque. Ouais, bah là, il attaque je sais pas combien de fois. Donc là, tu peux être sûr qu'il envoie l'aspect. Il y a des chances qu'il envoie sur Gohan Goten à l'air en plus. Item obligé. Ah, ça m'emmerde parce que ça me met mal derrière, quoi. Mais ouais, j'ai archi pas le choix en vrai. C'est dommage, quoi. Tout ça pour. Franchement, Goten, je crois que je vais même pas te faire partir en spé. Je sais pas si je le fais partir en spé. Bon, si, vas-y, allez, si. C'est toujours ça de prix en vrai, si. Enfin, claquer un C8 sur ça, en vrai, ça m'embête un peu. J'espère qu'on n'aura pas à le regretter derrière. Go, cascade. Non, la cascade, je la sentais pas, là. Vraiment, avec 130 000 PV. J'aurais eu 200 000, je la tentais. 130 000 PV. Si je prends l'aspect sur Gohan Goten LR, je pars en enfer. Donc, mieux vaut éviter, tu vois. Ou même si je la prends sur Goten tout court, je partais en enfer. Le tour suivant, tu prends 0 dégâts. Oui, le tour suivant, ça va, on est bien. Tour suivant, on est bien. Il augmente sa def quand tu pars en spé. Je sais qu'il augmente sa spé, sa défense. Mais c'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. Pour le coup, ben voilà, on mangeait pas de spé, donc c'est un peu dommage. On aurait pu aller se soigner ici. C'est dommage, mais ça, on peut pas le prévoir. Ça fait partie du charme du Goku Rush aussi. Oh, les sphères de ki, elles sont dégueulasses encore. Ah bon? Je l'ai eu tout à l'heure, celui-là, non? Flamingo qui a sub à la chaîne. Je l'ai eu tout à l'heure, ça. Ah, je croyais un bug avec Tipeee Stream. Ah, ça va me remettre tous les subs que j'ai sur la chaîne ou quoi? Et allez, c'est parti, tous les subs de la chaîne. Allez, allez. Pourquoi tu joues pas Végéto à l'air? Parce que c'est pas un héros des films. C'est pas un héros des films. Ouais, c'est parti. Voilà, vous allez en bouffer du caméra. Allez. Genre, je sais pas quoi faire là. Ah, ça arrête plus là. Ça va ou quoi, Kaku? Tranquille. Ah, ça y est. Ah, bien vu, LT Gaming. Oh, ton sub, enfin ton follow vient d'annuler tous les subs qu'il y avait derrière, donc parfait. À moins que. Non, c'est bon, parfait, nickel, let's go. On est le 1er mars, ça y est. Ah, ben on est dans mon mois là, let's go. Voilà les cadeaux du mois. C'est mes... Ouais, c'est ça. C'est un peu ça aussi. Bah, go couper le son, les gars. Comment ça? Ah oui, non, mais c'est bon, ça y est, c'est parti. Laisse Gogeta. Je peux pas laisser Gogeta. Je pète ma rotation si je laisse Gogeta. Ça va pas du tout. Hein. My Hero Academia, ouais, mais j'ai pas la saison 4, je m'y suis pas mis encore. En vrai, je peux tenter un truc de port. En vrai, il y a un petit truc qui se tente. Putain, ça m'arrange pas là, les violettes là qui changent pas quoi. Laisse Vegeta. Ouais, non, mais je vais laisser comme ça. Mais c'est juste, je réfléchis. 124 000. Bon, après, on est sous item aussi, hein. Faut pas oublier qu'on est sous item. Ouais, je vais faire ça, ok, c'est bon. On est sous item. Voilà, je mets Goku ici. Parce que Goku, là, du coup, il a combien? 200 000 de défense. Ça va, ça reste complètement correct. On est sous item, donc on devrait pas prendre trop cher. Oh, je viens d'écouter 5 fois de suite Man of the World, incroyable, même si c'est pas un... Ah, t'as vu, Olbrian, elle est fou, elle est folle. Hein, elle est vraiment folle. Ah, je l'adore, Man of the World. Vraiment ma préférée. Tu as aimé la saison 4 de My Hero Academia? Ouais, je sais, apparemment là ils sont, par contre ils sont dans un arc où c'est un peu relou, mais sinon je sais, oui, que je vais kiffer de toute façon. My Hero Academia, c'est incroyable. Il n'est pas indispensable son grand arc de la saison 4. Ouais, je me doute, hein, mais bon. Oh putain, mange une spé sur le mauvais type.
J'ai tellement pas de chance dans ce run, mais c'est un... enfin, j'ai eu de la chance une fois, mais alors là j'ai plus de chance. Hein. Je crois que j'ai annihilé ma chance à tout jamais, je crois, tout à l'heure. Hein. Je prends l'aspect sur le mauvais type, quoi. Ouais. Ok, on lui met deux spé dans sa tête ici. Sérieux, Gwen, tu regardes le live depuis la Switch, mais y a pas le navigateur ici. Y a YouTube ou le navigateur sur la Switch. J'étais pas au courant. Let's go, ça, Link. Grand garçon, du coup, 20 ans après, bonhomme. Grand homme, grand homme. Est-ce que je le tue dans ce tour? Je dirais que techniquement, oui. Je dirais que techniquement, je le tue. Et je dirais que techniquement, je vais garder le Gogeta, du coup, puisque Gogeta va faire le café sur les prochaines phases. Donc, gardons Gogeta. Je mets... tac... Ouais, je suis obligé de l'annihiler dans ce tour, c'est sûr, en fait. Il meurt obligatoirement. J'ai les deux Gogeta. Obligé. Obligé, il meurt. N'oublie pas qu'il peut esquiver. Ah, c'est vrai! Oh, c'est vrai, j'y ai pas pensé à ça. Mais il esquivera pas ça, là, déjà. Ok. Par contre, moi aussi, j'esquive. C'est vrai qu'il peut esquiver? Eh ben, il a pas esquivé. Tant mieux, heureusement. C'est vrai qu'il pouvait esquiver, heureusement. Yo Kitsune, ça va ou quoi? Ah, tu savais pas qu'il y avait YouTube sur la Switch, Lilian? Il y avait même sur Wii U, alors pourquoi pas sur la Switch? Ouais, mais c'est arrivé tardivement hein, sur la Switch, Kinilo, je crois, non? C'est pas arrivé dès le début, hein? J'ai un doute, hein? Ah, bon, bah là, je crois que le signe était fait pour que je mette Goku en premier, malheureusement. Par contre, on va prendre cher sur ce tour. Prends la régène. Ouh, ça va faire mal. S'il m'esquive pas, ça va faire mal. Il y a bientôt le Dokkan mode, oublie pas. Oui, c'est vrai, effectivement. Effectivement, faut pas que je l'oublie, le Dokkan mode. Montre les items qui te restent. Non, ça va, je suis bien sur les items, en vrai. Je peux claquer un Whis. En vrai, sous Whis, là, je devrais être pas trop trop mal. Attention, Dokkan mode. Ouais. Sous Whis, il y a moyen d'être pas mal, en vrai. Ou soit je ghost. Mais Whis me semble... Enlève végétal la rotation. Jamais de la vie. Ah, quoique, j'ai pas de doublon. Donc, du coup, il partira pas en critique. J'avoue que... Mais quand même, quand même. Dokkan avec Gogeta. Ouais. T'es déjà venu à Bruxelles? Ouais, pour la Made in Asia, il y a deux ans. Pour la Made in Asia, il y a deux ans, ouais. Ouais, Gogeta derrière qui partira en Dokkan mode. Ça a piqué, par contre, ça, Gogeta en Dokkan mode. C'est quelle catégorie? On est en héros des films. Ok, la stack supplémentaire du Goku, qui sera pas esquivé. Non, c'est bon. Ok, il a mis son petit 1 800 000 sur le tour. Voilà, il est venu, il a vu, il a vaincu, quoi. Ça va ou quoi, Fat Clan? Tranquille aussi? Non, on garde Vegeta, même sans doublon, il fait le taf. Ouais, je sais, c'est pour ça, je le garde. Je le garde. Après, voilà, là, c'est... Oh non. Oh non, j'ai pas de chance. Dis-moi que tu tankes un petit peu, avec le Whis en plus. Ça va. Heureusement. 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 Heureusement, on a un Whis quand même. Il tank... Ouais. Il tank normalement. Bien sûr, il tank, mais sans le Whis... On partait en enfer, clairement. Ouais, heureusement, le Whis. Ouais. Ah! Bon, ben là, j'ai archi méga pas le choix, de toute façon. C'est même pas... J'ai pas le choix. Là, c'est Dokkan mode. Je suis sous Whis, mais il annule les esquives. Alors, s'il m'envoie une spé sur Gogeta... Fantôme portier, ouais, ça on va claquer le premier fantôme portier parce que là c'est pas le meilleur des tours quoi. Le Blue Dokkan il critique. Oui je sais mais Gogeta quand même. Gogeta quand même plus incroyable. Ouais je suis obligé de. Je suis obligé de. C'est un tour il va prendre cher mais peut-être toi aussi. Non mais c'est pour ça, je mets un petit Oh putain. Oh putain, il allait trop vite. Un petit fantôme portier, comme ça, prochain tour, je peux mettre à la rigueur une princesse Ebi si je vois que je régène pas assez avec les deux SSJ Blue. Et comme ça, on est bien. Voilà. Comme ça, on est bien. Donc déjà, celle-là, il va pas l'esquiver. Il prend combien, là?
2-3 millions minimum, non? À quand le prochain Random Rush? Bah, il devait sortir aujourd'hui, mais j'ai eu un souci avec YouTube. Donc du coup, ça sera demain, 14h. 4 300 000, ok. 4 300 000, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Ouais, Black Clover, je connais. Bien sûr, je kiffe, mais il faudrait que je m'y remette, par contre. Ça fait un moment, j'ai pas regardé. Flash, je regarde pas du tout, non. Ouah, on lui a mis un sacré tour, là, dans les dents, quand même. Ah, j'allais dire... Avec ça, en plus, il allait prendre cher. Bon, ça reste quand même un sacré tour. Ça reste quand même un sacré tour. Oh là là. Oh, Vegeta, je crois que tu as choisi... Ah là, Vegeta... Oh, oh, les valeurs d'attaque. Les valeurs d'attaque. Oh, 1 600 000 de valeurs d'attaque. Bon, après, il est sur le mauvais type. C'est tellement dommage, c'est pas le Goku End. Parce que là, Goku End, oh là, il a arraché 3 têtes, là. Ah ouais. Ouais, bien sûr, Raokawa, qu'on va faire la globale de Nanatsu. Hein. Lundi ou mardi, Kokoku? Lundi ou mardi, je sais pas exactement quand, mais lundi ou mardi, ouais. Bon, mais je crois que j'ai peut-être pas besoin de me... Putain, même Goku, en vrai, 669 000, là. Aucun doublon sur Vegeta Tech et sur Goku. Aucun doublon. Par contre, j'ai peur pour mon Gohan Goten LR, là. J'ai très peur pour Gohan Goten LR. Avec qui le random rush? Contre Enzo, Stella et Yekais. Non, je vais pas item, je vais pas item. Je suis un bonhomme. Rare. Hop, comme ça. Let's go. Bon, Vegeta, c'est vraiment dommage, j'ai pas des doublons. Parce que là, s'il partait en critique, là, avec son attaque, là. Oh, 400 000 sur le mauvais type, t'imagines? Je partais en critique, je mettais combien, là? Je mettais 3 millions en critique, au moins. Mais pourtant, il me semblait que sur un des deux, j'avais un doublon, tu vois. Il me semble qu'il y en a un des deux, normalement, j'ai un doublon. Je comprends pas pourquoi j'ai pas de doublon sur les deux. Ça me paraît ultra étrange. J'étais sûr et certain d'avoir pris un doublon sur un des deux personnages. Il va mourir, DR. Ah non, me dis pas ça. Ok, si je prends l'aspect ici, on est mal. 53 000. Oh, 50 000, heureusement. Heureusement, on prend pas de spé là-dessus. Hein. Ça pourrait être hardcore, en vrai. Ok. On qui donc qui? Ouais. Bah là, à la rigueur, je peux claquer un Whis encore. Hein. J'ai encore un Whis de côté, donc je peux mettre un petit Whis. Ça devrait aller, quoi. Moi, je l'ai à 400%. Pouah, tu dois être bien, Camille. J'adore tes lives, Lilian. Je trouve que t'aimes bien... T'animes bien ton live, c'est super. Ben merci, Twigal. Merci, hein. Merci. Bon, après, j'anime normalement, quoi. J'anime comme si j'étais moi-même, quoi. Donc, ouais, je sais pas. C'est ma manière, quoi. Donc, du coup, c'est cool. Si tu kiffes comme ça, tant mieux, hein, du coup. Merci à toi. Hein. Assure le Whis encore. Oui, non, je vais assurer. On a encore de quoi se soigner et tout derrière. On a des items. C'est fait pour être utilisé, ce mode de jeu, d'accord? Il y a que ce mode de jeu où on utilise des items. Alors, utilisons-les. C'est ultra important. Ouais, Rédemption, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Salut à ceux qui arrivent, du coup, hein. Bonsoir à vous. Hein. Je te fais partir en SP, toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, tu pars pas en SP. Hein. Bon, bah vu que tu pars pas en SP, frère... Vas-y, hein, vu que tu pars pas en SP... Tant pis. Hein. L'histoire sans fin aussi, où tu en chies. Ah, l'histoire sans fin, je m'en souviens plus. La rotation elle est énorme, après avoir bien fait manger à 100%, c'est presque la meilleure rota du jeu. Ouais, tu m'étonnes, Camille. Oh putain, il m'envoie l'aspect sur... Bon, ça va, c'est sur Gogeta, donc tranquille. À ce point, Rédemption, bah normalement, si tu joues à CSGO, ça devrait aller. Après, c'est plus dynamique, par contre, c'est sûr. Faut sauter dans tous les sens et tout, donc en vrai, ouais, c'est pas pareil. Ah, merci, Younes, merci pour ton message, hein. Ça fait plaisir. Mais là, t'as gagné, c'est sûr. J'ai pas envie de dire que c'est sûr tant que c'est pas terminé. Je n'ai pas envie de m'avancer comme ça. Moi, je te regarde depuis que les gens t'insultent de Freezer. Ça, c'est beau, ça. Tu vois, c'est... Les gens ont créé de la haine. Et puis, finalement, tu as vu autre chose. Tu as vu au-delà de la haine. Et ça, c'est beau. C'est l'e-sport. Allez, faites péter les sphères de qui? Il y a que du vert. Mais pourquoi il y a que du vert? Bon, c'est pas grave. Hein. En soi, ça me va aussi, hein, mais... Ça me va aussi. Ok. Combien de défense? 200 000, 283 000, 95 000. Bon.
Bon, ma foi, on est sous Whis. On est sous Whis, on n'a qu'une vie. Freezer troisième forme, j'avais oublié lui MDR. Ah ça, incroyable. De le Freezer Rédemption? Je limite bien le Freezer. T'as regardé Tokyo Ghoul? Ouais, Walid, j'ai regardé, ouais. Trop bien Tokyo Ghoul. Sauf Tokyo Ghoul Re, où franchement j'ai pas du tout aimé. Vraiment Tokyo Ghoul Re, par contre, je t'avoue que ouais, un peu à gerber quoi. Mais par contre Tokyo Ghoul, vraiment sympa, ouais. J'ai adoré même. Regardez si vous avez pas vu hein, sur Netflix. Salut Rex Warrior, salut salut. Putain, vous arrivez nombreux là, comment ça se fait? Minuit, vous êtes 800. Tout à l'heure, à 23h, on était 500. Et minuit, on se retrouve à 800. Incroyable. Bah, merci à vous, hein, du coup, merci à vous d'être là. Hein. Corentin, j'ai un triplon dessus. À l'époque, j'arrivais pas à le dropper, ce Gogeta Blue. Pour ceux qui se souviennent, impossible de le dropper. Et puis d'un coup, il est sorti 40 fois, quoi. Ouh, j'ai pris un 150 000 là, par contre, ça fait pas plaisir, ça. Oh. Bon, là, on n'est pas sous Whis, donc je te le dis, on va clairement assurer. Hop, voilà. Il part en critique, le Vegeta Blue. Bien sûr, regardez son passif. Donne un lieu à un coup critique et grande chance d'esquiver. Il est obligé de taper avec un critique, en fait. Obligatoire. Merci à ceux qui s'abonnent, hein, merci à vous, hein. Tue-le s'il esquive pas. Ouais, normalement je le tue s'il esquive pas. Mais bon, c'est pour ça que j'ai préféré mettre une princesse et bille, on sait jamais. On gagne quoi la première fois qu'on réussit le Goku Rush? En fait, tu gagnes des tickets qui te permettent de faire des invocations là sur un portail. Et t'as des pierres du dragon aussi. Bah merci Julianne, comment vas-tu? Eh ben voilà, c'est terminé. C'est terminé. Ça va et toi Dragon Ball? Un BG est apparu, Hakim. Ça va ou quoi, Hakim? Ah, 0307 qui vient de follow. Mais bienvenue. D'ailleurs, en ce moment, putain, on prend masse abonnés. C'est un truc de fou, hein. Merci à vous, hein. Sérieux, Blue Gacha? À cause de tes vidéos avec Yekace, j'ai acheté masse Dragonstone pour faire des duels invocations avec mon pote. Bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Après, attention à pas te ruiner à cause de ça aussi, hein. Attention, hein. Mais bon, c'est cool en vrai. Regarde Tokyo Ghoul sur Netflix. C'est ce que j'ai fait, hein. C'est ce que j'ai fait à la base. J'ai regardé sur Netflix. Merci Corentin Leroy. Aidez Lilian le chat grâce au message loot. Continue d'être de bonne humeur. Ta commu t'apprécie. Ben merci, c'est gentil aussi. Et merci, merci à toi. Ouais, s'il y en a qui veulent poser des messages avec loot, ben, ça fait toujours plaisir. Tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps que je suis pas allé voir loot. Attendez, je vais aller voir. Je vais vous dire exactement loot combien ça rapporte sur un mois. Approximativement, tout dépend des mois et du nombre de messages qui passent. Je vais regarder par exemple sur le dernier mois. Le dernier mois, il y a eu 500 messages qui sont passés. En vrai, c'est propre. Il y a eu 500 messages et ça permet de rapporter bah, 85 euros. 85 euros sur 500 messages. Ça va en vrai. Ça va. Là, ce mois-ci, du coup, enfin, jusqu'au enfin, du début février, enfin, même pas, je sais pas quand c'est comptabilisé. Ah, si, du 26 février jusqu'à aujourd'hui, donc 1er mars, il y a eu 57 messages. Et les 57 messages, ça a fait gagner 18$ pour le moment, donc environ 15 balles quoi. Donc en vrai, c'est pour ça, plus il y a de loot, plus ça bombarde de ouf en vrai. Pour ça, c'est ultra important en vrai loot. Alors 100 balles, tu dis pas non quoi. Clairement. Hein. Je suis largué dans le jeu moi. Ah, victoire, c'est normal, si tu connais pas, c'est logique quoi. On va récupérer les tickets du coup. Bon, héros des films, c'est fait. C'est validé. Héros des films, next. C'était, en vrai, j'avoue que c'était, je sais pas si c'était pas le plus, non, c'était pas le plus simple, mais en tout cas, on est allé assez vite, mine de rien. Tu gagnes plus d'abonnés en direct ou en vidéo? Bon, ça dépend, Gaël, ça, je saurais pas te dire. Ouais, c'est vrai, Knil, c'est vrai, c'est vrai. T'as déjà eu 5000 viewers en live? Oui, mon record est de 6000, 6000 et des poussières, je sais plus 6000 combien, mais un peu plus de 6000. C'était sur Dokkan Battle, et quel live? Je crois que c'était... À Gogeta SSJ4, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Gogeta SSJ4. Si je me trompe pas. Ouais, Corentin un peu, ouais. On lui dit souvent. Ah bah écoute, Zayox, ça va, hein, tout va bien, hein, tout va bien, tout va bien. Saiyan Pure, on l'a déjà fait, ouais. Ah, c'était un live incroyable. C'est 6000 viewers. On l'a fait 2-3 fois, en fait. On a fait 2-3 fois 5000, 6000 viewers, ouais.
Waouh, ça fait longtemps, de ouf. Bah, c'était à l'époque de l'époque, quoi. Il y avait Gogeta CJ4. Je crois qu'on avait fait un pic aussi pour Vegeto Blue End et Rosé AJ, si je me trompe pas. Il y avait Voljean à la maison. Il y avait peut-être d'autres lives. Je sais que Buan en était extrêmement nombreux aussi. Ah si, il y avait aussi le Kaioken aussi. Goku Kaioken. D'ailleurs, dans la même multi, j'avais eu Goku SSJ 3 puissance. Je m'en souviens, juste avant le Kaioken. Ou juste après, je sais plus, un truc comme ça. C'était pas mal. C'était pas mal. Boss des films. Boss des films, je peux pas. J'ai pas le leader, boss des films. C'est qui? C'est Broly, le leader. Et je l'ai pas, Broly. Je l'ai pas. À l'ancienne, ça, Shay, à l'ancienne. Arrête tes vents, s'il te plaît. Exorius, je vois pas tout le monde, hein. Désolé. Hein. Lundi, Sama, il sort le couleur MF. C'est bien moi, Rédemption. C'est bien moi. Tu fais un record de temps sur le Goku Rush avec une team. Non, là, on fait les quêtes surtout, parce qu'il y a plein de teams que j'ai pas encore fait. Hein. Là, il nous en manque 6 encore. Donc, on a le choix. Je vous laisse choisir. Saiyan de Saint-Mêlé. Survie de l'univers. Ça peut être pas mal aussi. Divin. Divin, c'est pas mal. Puissance maximale. Transfo fortifiante, c'est chaud. Et boss des films, je crois que je peux pas parce que c'est Broly le leader et j'ai pas Broly. Par contre, il y a un truc que je vais regarder. Il y a un truc que je vais regarder de suite. Pourquoi Non, c'est pas le bon Goku. Il me semblait avoir un doublon sur ces putains de Goku et... Ah, c'est pas le bon Goku en fait. Et même le Vegeta en vrai, bah non. J'ai pas de doublon quoi, c'est comme ça. J'ai pas de doublon. Il me semblait pourtant en avoir un, pourtant, parce qu'il me semblait qu'on pouvait en... Non, c'est pas le bon. Hein. Survie de l'univers. Divin, c'est dur de ouf. Ah, Migaté. Le Thalès AJ, non, je l'ai pas. Thalès AJ, j'ai pas, mais... Transformation fortifiante, c'est pas... Ah, c'est Thalès, c'est pas... Il y en a pas un autre leader? Survie de l'univers, ouais, ça peut se faire avec double Jiren, ouais. Ça peut se faire. En vrai, ça peut se faire de ouf. Ouais. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a puissance max aussi. Tajubai puissance. Non. Non, non, non. J'ai le AJ, mais pas de puissance. J'ai pas, malheureusement. Te faut Goku Kaioken pour le... SDL. SDL, c'est quoi? C'est quoi? De toute façon, on peut regarder les différentes teams. Après, en vrai, puissance maximale, j'ai moyen de tout péter aussi. Hein. Divin. Je sais que vous kiffez les divins, c'est un truc de fou, ça. Hein. J'ai l'impression qu'on me demande des divins tout le temps. Mais vas-y, si tu veux, divin, on peut regarder éventuellement ce qu'on peut faire. Ah, ben il y a les fameux, ben oui. C'est qui le leader divin? C'est Kaioken? Kaioken, c'est Migaté? Ah, mais Migaté... Migaté, c'est cool. Mais ça prend cher, Migaté, non? Le Zamasu MF. Ah, je l'ai pas, Zamasu MF. Ah, bah à la rigueur, je peux prendre un Migaté dans ma team et prendre un Zamasu MF en ami leader. Sa meilleure leader, Zamasu MF. Ouais, mais je l'ai pas, moi. Le leader, c'est Bou de transformation fortifiante. Ah, bah je l'ai, Bou d'ailleurs. Je l'ai, mais j'ai pas de doublon. En Saiyan pour full divin. Ouais, mais t'es obligé d'avoir 6 personnages. T'es obligé d'avoir 6 personnages. Du coup, divin. Je crois que c'est ça. Après, techniquement. Ouais, on peut peut-être faire un truc, ouais. Migaté va se faire défoncer. Ouais, de ouf, c'est pour ça. Migaté, c'est chaud en vrai. Le problème avec Migaté, il se transforme et après il tank plus. Ouais, c'est ça. Non, mais après, ça peut se tenter quand même. Hein. Je prends Migaté. Je prends ben, Jean-Paul. Je prends Hervé. Lui, il stack, non, à l'infini. Hier, on avait vu, il stack, je crois. Augmente la défense. Ouais, lui, il stack de ouf aussi. On prend. Y a qui, là, dans cette histoire-là, qui tank de ouf, là? Goku? Goku? Non, Goku, il prend cher, hein, je crois. Hein. Vegeto Blue niveau 4R. Ouais, ouais, putain. Le fameux.
VBTech. VBTech? Pourquoi VBTech? Ah ouais, comment t'es attaque et défense? SVB Inde. Ah ben oui, il y a le SVB Inde. Ah oui, il est là. Après, lui, il augmente la défense pendant un tour, juste. VB Inde. Mais oui. Oui, carrément. Et en dernier, on mettrait qui? Black Int. Black Int, il fait quoi? Ah oui, il augmente aussi. Il stack, non, c'est ça? Augmente fortement la défense. Ouais. Ouais, carrément, carrément. Carrément. T'as beaucoup trop de Inde. Bon, en vrai, ça va, hein. En vrai, ça va, hein. En vrai, ça va, on n'a pas tant de end que ça en vrai. VB puits, il est mieux. Le SVB Tech est mieux. J'ai un doute, hein. En vrai, tu jartes Migaté. Bah ouais, mais je peux pas. Je fais comment pour le Tej Migaté? Je fais comment? Je peux pas. Je peux pas le Tej. À moins que. Est-ce que, si par exemple je mets Rosé premier. Ah ouais, mais non, ils sont pas voyageurs du temps. Bah non. Non, bah non. Non, il n'y a pas de solution, hein. God Gokuint. Non, il tankera pas suffisamment. Enfin, il tankera sur les 7-10 premiers tours et après plus rien. GTA appuyé mieux. Je pense pas, non. VBTech en leader. Ouais, mais non. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas. Bah non, non. Non, parce que derrière, si je prends un Zamasu en ami leader, non, je peux pas. VBTech est mieux. Bah non, les gars, non. Ah, sur le run, vous voulez dire? Sur le run, vous voulez dire que Végétotech est plus intéressant que. Ouais, mais est-ce qu'il stack lui, aussi là? Attaque et défense? Il augmente son attaque et sa défense. Il augmente à l'infini aussi? Est-ce qu'il augmente à l'infini? Éclater le beat. Ah, il a pas été fou. Mais le Jean n'a pas été incroyable non plus, Amir. Si tu regardes la courbe de dégâts. Mais après, le Blitz, j'avoue que pour une première, c'était pas facile. C'était pas facile. Ceci dit, ma Sona, elle est God tier. Mon Amumu, il est God tier. T'inquiète, je sors que des pics en ce moment que j'ai pas l'habitude, mais franchement, ça passe bien. Ouais, il augmente à l'infini. Le Végéto 1 de ZT8 à la dernière phase, il est trop fort. C'est pas faux. T'inquiète, non mais t'inquiète, Matt, il n'y a pas de souci. T'inquiète. Mais non, non, après, je reconnais que mon Blitz, ça a été compliqué au départ. Mais je ne suis pas le seul à avoir vécu une partie compliquée, quoi. Donc tranquille. Tranquille, tranquille. Puis il en faut aussi, hein, de toute manière. Il en faut aussi. Utilise Vegeta MF Inde pour faire une team Saiyan pur divin. Non, mais le leader, il est pas assez imposant, quoi. C'est quoi le son derrière? C'est du Naruto, c'est du Naruto. Part en Kamehameha pour la transformation fortifiante. Et oui, VBTech qui stack, mais très lentement sa défense, mais beaucoup plus l'attaque. Ouais, non, non, mais on va rester comme ça, on va rester comme ça, tranquille. On reste comme ça me semble être une bonne option. Juste Migaté, c'est un peu chiant. Fais une rotation, Vegeta 1 des Goku Agi. Ça sera. Ou. Goku Agi, non, y a pas. Y a pas, y a pas, y a pas. Tu veux pas prendre un perso Agi style Vegeta Evolution. C'est chaud. En vrai, c'est chaud. Prends Goku MF pour le leader. C'est 120%, les gars. C'est pas ouf non plus. Enlève Black, what the fuck. Bah non, Black, il passe super bien. Vous êtes des fous, il stack à l'infini aussi. Lien avec les récompenses de la Battle Royale, je prends Metal Cooler ou j'économise pour le Wu. Alors là, j'en ai aucune idée, Cora. Aucune zéro idée. T'as zéro perso Agi, c'est chaud. Pour le type puissance, j'avoue, c'est chaud. Mais tu arrives aussi tardivement. Bah ouais, mais j'ai démarré il y a une heure, Lourga. Hein. J'ai démarré il y a une heure. Bref, on y va. On va voir si agit, pas agit, ça passe pas. On va voir. Du coup, c'est divin. Est-ce que j'ai du Zamasu déjà dans. Ah, j'ai un Zamasu, il est dégueulasse. Ah, j'ai pas de Zamasu. RIP, j'ai pas de Zamasu. Enfin, j'en ai, mais 55%, on va pas aller loin, quoi. Si m'en faut, c'est minimum avec un 70%, quoi. Filtre. Ouais, non, mais même. Ah, mais putain, pourquoi il y a deux trucs? Attends, je vais enlever Héros des films. Attends, peut-être que déjà, ça va arranger le truc. 55%.
55%, on va mettre extrait magie. Ah, il n'y en a qu'un seul, quoi. Pas normal, pas normal du tout. Mais tu sais quoi, je vais relancer. Je vais quitter, on va relancer. On va quitter, relancer juste. 441 000 HP. Par contre, elle a pas beaucoup de PV, la team. Lance la game et restart. Ouais, c'est ce que je fais, ce que je fais. Non, parce que là, trop chaud, trop dangereux, là. D'ailleurs, Matt, au fait, Matt Amir, là. Du coup, vous avez eu quoi en récompense, là, dans le clash? Est-ce que tu as continué, Sensei? Ben, j'ai continué, j'ai fait une invoque tout à l'heure. J'ai fait une invoque tout à l'heure. Qui c'est que j'ai eu? Attends, je vais vérifier si c'est lui, mais je crois qu'il s'appelle Shaka. J'ai oublié son nom. Shaka... Senseiya. Ouais, ouais, c'est lui que j'ai eu. J'ai eu Shaka. J'ai eu Shaka, il est de type bleu d'ailleurs. Mais j'ai eu Shaka, qui est vraiment pas mal. Normalement, il me semble qu'il est bien. Hop, hop, hop. Monte le son de la musique. Bah ça va, normalement, il est déjà assez fort, non? Si, ça, il est excellent. Ouais, il est bon. Des émotes parce que notre mid laner nous a troll la première game. Après, on a tout win. Ouais, ouais, mais pareil, on a eu des vieilles émotes de merde aussi, hein, de mon côté. Première game, on s'est fait rouler dessus de ouf. Deuxième game, bah, on a gagné parce que je sais pas pourquoi. Et troisième game, il a fallu que je retourne sortir mon pick Jinx pour tout péter dans la game. Et voilà, quoi. Du coup, on a eu des émotes aussi. En vrai, c'est naze, quoi. Je m'attendais pas, même en gagnant le loser bracket, à avoir des émotes. Je me suis dit, au moins un skin, quoi. Shaka, c'est un monstre. Un fucking monstre avec ma team. Bah là, moi, j'ai une team, elle est incroyable, là, du coup. Quand tu regardes ma box. En vrai, j'ai une box, elle est folle. Hein. Naruto, X Boruto à la sortie du douche. Ouais, carrément, ouais. Ah, j'ai pas de Zamasu. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des Zamasu avec des triplons ou des conneries comme ça? Parce que là, j'en ai pas un seul et franchement, ça va être la merde pour faire le run si j'ai pas ça. Ça va être compliqué. J'en ai un avec un doublon, si tu veux. Ça peut être bien. Avec un doublon, ça peut commencer à être pas mal, ouais. Tac, 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 tac. Ami. Menu. Ami. Demande d'ami. Du coup, on va tout effacer. Dis juste pardon. Tu vas voir, VBZTE, incroyable. Non, mais je sais, je l'ai déjà testé, hein, le VBZTE. Hein. Je l'ai déjà testé en soi. Je regarde juste. Hit, ok. Je regarde s'il y en a qui... Bah, Trunks, ouais. Ouais, des Trunks aussi, en vrai, pour les random rush, ça peut être pas mal. Comment ça, niveau 143, Cyberion, là, ça va pas du tout, ça. Hop, 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 là. Allez, hop. Attends, oh. Dès que j'ai win le loser bracket. Ouais, mais pareil, Predator, on a win le loser bracket aussi. C'est moche, en vrai, quand tu win le loser bracket. C'est triste de ouf. J'essaye de libérer de la place où je peux, hein, du coup, pour avoir des Amasu. Tac. Bon, je pense que c'est bon, là. On va faire ça. Hop. Si tu galères, je te conseille d'utiliser des items pour la phase puissance, car la dernière phase, tu vas le réussir plus facilement. Ouais, ouais, carrément, ouais. Carrément, carrément, on va faire ça. Ah mais je vous ai pas donné mon code ami, évidemment. Donc si vous avez des Amasu du coup catégorie divin, bah allez-y. Avec des doublons, minimum un doublon. Minimum, hein, je dis bien minimum. Parce que même déjà un seul doublon, bon, ça me paraît moyen, mais bon. Essayons quand même voir comment ça se passe. Je commence à avoir faim, moi. Allez, Toulouse. Ah bah j'ai pas de doublon. C'est dommage. Non, c'est vraiment si vous avez du doublon, hein. Sinon tant pis, on va essayer de trouver un ami leader. Aïe, je l'ai pas. Dommage. C'est grave si j'en ai pas de doublon. C'est très grave, je pourrais pas accepter. Est-ce que Kakarot est supérieur à Xenoverse 2 pour toi, même si les jeux ne sont pas pareils? Dans la fidélité, il est supérieur.
Clairement, après. En fait, je préfère les graphismes de Kakarot. Clairement, je préfère la fidélité de Kakarot. En soi, le gameplay me dérange pas plus que ça, même si c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plus de combos. Mais d'ailleurs, j'ai hésité à lancer un live sur Kakarot parce que du coup, je voulais faire FIFA à la base. Je savais pas sur quoi partir, parce qu'il y a eu des problèmes de serveur avec FIFA, donc j'ai pas pu m'inscrire au FUTCHAMP. Et du coup, en fait, j'ai envie de jouer à Kakarot, même si j'ai déjà tout fait, en fait, j'ai envie d'y jouer, tu vois. Je sais pas pourquoi, le jeu, moi, je le kiffe, Kakarot, tu vois. Du coup, je voulais y jouer. Mais je me suis dit, j'ai pas grand-chose à faire non plus, donc c'est pas non plus ultra intéressant. On Zamasu 100%. Oh, Godless, je prends direct. Je joue au nouveau Dragon Quest. Toujours pas essayé encore, non. Toujours pas essayé. Alors, voyons voir. Il y a du Zamasu là. Shadow. Par contre, attends, Shadow. Shadow. C'est quoi ce rang là? Shadow, c'est quoi ce rang, frère? Rang 999? Ça existe vraiment, ça? Je sais que j'en ai jamais vu encore. Hein. Vraiment, j'en ai jamais vu des rangs en 999. Alors là, on a un winner, là. Non, c'est pas mon level. Bah, je sais pas, y a un bug dessus, hein. C'est quoi ce rang? Je sais pas, mais incroyable. Thiago, ok, t'as un petit doublon aussi. Killua, je regarde, là, je vais privilégier ceux qui ont des deux doublons ou des conneries comme ça, quand même. Putain, il peut pas y en avoir un 100% dans le lot. 69%. 69, 69. Ah, va pas y avoir plus, hein. Bon, c'est déjà. Ah, 79% là, bien vu. Hop, priorité. Il triche. Ah, je sais pas, mais en tout cas, sacré niveau, hein. Incroyable. Aina, il m'a balancé son Trunks. Ah ouais, Vivi, toi aussi, tu avais soif. Toi, tu bois tout le temps, Vivi. Bon, il y a que des 55%, mais bon. Allez, Shadow, juste pour ton niveau. Comme ça, je pourrais dire, ouais, jamais qu'il est quand même 999 dans ma team. 69%. Allez, Killua, du coup. Let's go. Tu es le deuxième. Ah non, merde, il y avait Thiago aussi. Bah allez, pour la beauté, Thiago, je t'accepte. On est lié, Vivi, par la bouteille d'Evian. Allez, go. Bon, en espérant que ça se passe bien. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Team Divin, j'ai un gros doute quand même sur la Team Divin, mais bon, ma foi, on verra bien ce que ça donne. C'est pas la bonne team, je sais, je quitte là. Eh, Godlaze, go m'ajouter si tu l'as 100%. En 1000, il n'y a pas. Je crois pas. Je crois que c'est le max à 999. Hein. Godless là, 100%. Vas-y, Godless, prends mon code. Ajoute-moi. Attends, je vais supprimer les trucs. Et réajoute-moi du coup. Je remets mon code. Ah, je te remets mon code. Ajoute-moi du coup. Si t'as un 100%, on va prendre. Hein. Ça sera beaucoup plus facile comme ça. Code ami de Lilouche. Ouais. Bien vu, Doui. Tu préfères Gohan ou Trunks? Gohan. Gohan sans hésitation. Gohan une fois, Gohan deux fois, Gohan trois fois, Gohan 15 fois. Faut que tu choisisses la bonne team et tu auras des bons leaders. Ah! Eh bien merci de la prendre. J'étais pas au courant. Si divin, tu le fais largement. Après j'ai beaucoup de endurance, hein. C'est la phase puissance qui va un peu me chier dessus. Mais si on passe la phase puits tranquille, ça va le faire. Hein. Je l'ai à 90. Ah ben Ziad, pareil, 90%, je prends aussi, let's go. Go balancer, go balancer. Skip, j'invoque pour couleur, ouais, carrément. Je ferai la vidéo Sarah la banana qui vient de s'abonner. Ben, Sarah banana, bienvenue hein, du coup sur la chaîne. Oui, je ferai la vidéo lundi du coup, hein, en invocation. On fera ça lundi. Ça va et toi, mec? Tranquille en forme? Je l'ai à 100%, mais j'arrive pas à t'ajouter. Bien, Razia, tout à l'heure tu l'as à 90, maintenant tu l'as à 100%. J'ai Zamasu à 100% x2. Allez, Genesis! Ajoute alors, j'ai besoin de ça. On t'a jamais dit que tu ressemblais fort à Gohan? Ouais, si, on me le dit souvent. Ouais. Mais même, il y a des gens que je connais pas, ils m'arrêtent dans la rue et ils me disent. Excusez-moi, vous ressemblez quand même à un personnage de manga. Je sais pas si vous connaissez Dragon Ball Z. Il y a un jeune homme, hein. Ah, il est pareil, il a des lunettes, la même coupe, un peu les mêmes tenues, tout ça.
Et là, du coup, je fais. Non, on me l'a jamais dit, non. Je fais souvent ça, ouais. Twitch après. Non, pas de Twitch ce soir, non. C'était un troll, bien sûr. Hein. C'était un troll, évidemment. C'est bon, je l'ai mis. Merci, Godless. Merci, merci. Vous foutez de ma gueule, là, ou. Ah, vous foutez de ma gueule, en vrai. Ah, moi, je troll, mais alors vous, les gars, vous êtes des trolls de l'espace aussi. Il est où, le Zamasu, là? Il n'y a pas de Zamasu, là. Hein. Loot, c'est si ça passe, comme d'hab. Merci, Knil. Salut, Barbe Blanche. C'est bon, je l'ai mis. Ouais, Léolio, ouais. Pff. Ouais, pas trop non plus, Matt, quand même. Hein. Léolio, ça, franchement, ça me ferait chier. Hein. Non, apparemment, vous êtes foutus de ma gueule. C'est quoi, ça? C'est pas Zamasu, là. Hein. Vous foutez de moi ou quoi, là? Allez, je remets mon code admin dernière fois. S'il n'y en a pas, tant pis, je pars avec les 50%, là. Tu refais quand le jeu des boules? Quand elles seront pleines, du coup, quand il y aura du monde. Quand il y aura du monde et qu'elles seront pleines, bah, du coup, on fera le jeu des boules. Comme ça, tout le monde pourra jouer. Plus on est de fous, plus on rit, quoi. Plus la fête est folle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je te ferais bien une donation, mais je suis fauché. Bah justement, Amiel, gare pour toi, du coup. Gare pour toi et kiffe de ton côté. J'arrive plus à t'ajouter. Ah, oh, c'est bizarre, ça, Godless. C'est très bizarre, tiens donc. C'est très, très bizarre. Ah, ça y est, il y a du Zamasu. 69%. Par contre, j'ai qu'une place, là, je crois. 41%, ça va pas du tout. Faut que tu augmentes l'arbre de compétences. 55, ouais. Ok, bon, il y a que Samy, du coup, qui est professionnel. Comment ça, Vivi? Je suis sérieux, je comprends pas. On peut t'ajouter depuis la Jap. Non, non, sinon ça... Non, ça serait bien d'ailleurs, ça serait bien. Putain, on aurait les leaders de la Jap, ça serait fou. Hein. Si je gagne 1 million d'euros, je te fais un don par jour à vie. Ah, oh, trop bien, je signe. Je signe. Putain, hier encore, je regardais un reportage. Vas-y, des gens qui deviennent... Il y a un YouTuber là qui fait vraiment des vidéos sympas. Là, qui avait fait une vidéo justement où... Il va à la rencontre des gens qui gagnent à l'euro million, tout ça. Et du coup, il montre la procédure un peu, tu sais, comment ça se passe derrière, l'accompagnement qu'il y a, etc. Et tout. Et t'as tellement envie de jouer à l'euro million derrière. T'as tellement envie de jouer au loto et de te dire, putain, ça peut te tomber à n'importe quel moment dessus aussi. Hugo Décrypte. Ouais, voilà, c'est ça, SMR, c'est ça. Hugo Décrypte. Bien vu. Ouais, c'est ça. Et franchement, la vidéo, elle est ultra intéressante. Mais vraiment un truc de fou. Ah, Zaphir. C'est les pires, c'est les pires. Ouais, c'est ça, c'est Hugo Décrypte. Ouais. Je l'avais déjà vu à la vidéo, mais hier, je l'ai re-regardé. Je me fais mal au cœur des fois, comme ça. Ça parle d'argent, faut que j'aille voir. Tu te dis, putain, pourquoi ça pourrait pas m'arriver, moi aussi, pourquoi? Pourquoi je pourrais pas aussi gagner du jour au lendemain, comme ça? Vas-y, vas-y, je gagne. Lilouf, le best, go à million, vient de s'abonner. Merci, merci pour le follow. Merci, merci. Ceci dit, la bagarre est venue. Attends, parce que Zamasu, je l'ai dans la team, j'ai jamais vu ce qu'il fait. Un fusil d'égaillement, c'est diminue fortement la défense. Il réduit les dégâts encaissés de 40%. C'est fort intéressant, ça. Non, Camille, elle est pas chez moi, non. Ok, Zamasu, tu pars en rotation alors du coup. T'inquiète, un jour le business sur YouTube va fructifier. Ouais, mais bon, c'est pas comme à l'euro million quoi. C'est pas. Tu gagnes pas des millions directs quoi. Après, je demande pas à gagner des millions, hein, mais si on peut gagner ne serait-ce que 100 000 euros, tu gagnes 200 000, tu peux commencer à t'acheter un appart sympathique. C'est déjà bien. C'est déjà très bien, tu vois. Là, on est parti en team divin, Otaku. Non, je la veux pas, la technique Shadow. Non, non, t'inquiète. Mais c'est gentil, hein. Mais non, merci. On est d'accord que je vais faire stack les... Ah, mais... Ouais, si, je vais faire stack les deux Zigoto, là. Il fait quoi, lui, déjà, juste? Ouais, il augmente la... Ok. On va faire stack les deux, alors. Je les garde dans la même rotation, juste pour ça. Après, mes rotations, elles sont pas belles. Hein. Vraiment, elles sont archi méga giga pas belles. Hein.
Ouais, et aussi 300 000 par mois. Non, pas 300 000 par mois, tu gagnes juste une fois, une grosse somme. C'est tout, quoi. Tu peux accepter mon frère Samy, on est trop content. Tu acceptes. Ah, j'ai accepté ton frère Maïssa, ben nice. Bah j'espère, ouais, ça lui fera plaisir du coup. Passe-lui le bonjour au passage, hein. Passe-lui le bonjour. Tu comptes reprendre Bounty Rush? Bah j'y joue tous les jours, mais... Enfin, je me connais... Wow, 200 000, sérieux là? Par contre, on démarre comme ça là? Ça fait pas plaisir. Ça fait archi pas plaisir. Bon, du coup, on va le tuer quoi qu'il arrive avec le contre ici. Peut-être même pas. Ah si. Allez, mange-toi ça. Bam. Ne fais pas l'active skill avec le Zamasu. Ah ouais, pourquoi? Oh, par contre, ah bah c'est bon, j'ai une de mes rotations qui est faite déjà. Incroyable. Incredible. Incredible, j'ai la première rotation qui est faite. Parfait. Parfait ça. Parfait ça, on a une rotation qui est faite directement. Perfecto. Perfecto. Il perd sa défense car il a de la réduc, il perd sa réduc. D'accord, ok. Ok, intéressant. Bon, ben je le transformerai pas alors. Faut jamais utiliser l'active skill. Ok, non mais c'est intéressant à savoir quand même. Ok. Ah, j'étais pas au courant vu que je le joue jamais, bien vu. Ça serait cool que tu reprennes les vidéos et live sur Bounty Rush. Ouais, mais en fait le truc de Bounty Rush, c'est que au final le principe il a pas changé. C'est que si t'as pas les personnages niveau, pardon, il y a déjà la fusion. Si t'as pas les personnages niveau 100, bah, c'est ultra compliqué de rivaliser avec les gros pay to win, enfin avec les gros joueurs qui payent, tu vois, sur le jeu. Donc bon. Après, en vrai, un personnage niveau 80 bien équipé, il va faire mal, hein, bien sûr, hein. Mais bon, je sais pas. Je suis pas. Oh putain, les deux, ils vont tellement bien à côté. Quand il est transformé comme ça, là, il fait quoi, là, du coup? Il réduit les dégâts de 40%. Ok. À votre avis, je fais quoi? Comme le nouveau Shanks. Voilà, bah, le nouveau Shanks, tu peux l'avoir niveau 80, tu vas rouler sur les niveaux 100. Mais c'est une des rares exceptions, quoi. C'est qu'il faut vraiment bien, super bien équiper ses personnages pour pouvoir rivaliser. Et le truc, c'est que déjà, même pour avoir un personnage comme Shanks niveau 80, faut avoir de la chance dans ses invocations. On va pas se mentir. Donc bon. Au pire, s'il reste une barre de vie à Migaté, son active skill en cas de dernier recours. Oui, bien sûr, bien sûr. Transfo vite Black Int. Ouais, mais je sais plus comment on fait pour le transformer Black Int. Comment on fait déjà? À chaque fois qu'une attaque est encaissée, max 40%, si les conditions sont remplies, provoque transformation. Ouais, je sais plus c'est quoi. Le sixième tour, je crois. D'accord. T'as combien de doublons sur Vegeta Tech? 0, 0, 0. Tu n'y arrives pas avec cette team, on verra. Ouais, je reste comme ça du coup. Ah, bah là, le truc, c'est que mon Vegeta, il va prendre cher là. Hein. Il a que 84 000 de défense. En vrai, je sais pas si c'est le bon bail d'avoir fait ça. Hein. À tout moment, je prends une spé, je prends 200 000. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Ok, je pensais prendre plus que ça, par contre, mais bon. Ça va, on s'en sort bien, en vrai. Heureusement, c'est au départ. Tu es cash ou free player? Je suis cash player sur Dokkan Battle Xenox. Faut que tu sois 80% HP ou plus pour te transformer. D'accord, ok. Ouais, bah ça serait bien qu'il se transforme assez vite alors. Mais malheureusement, d'avoir 80% de PV, c'est compliqué. Qu'est-ce qui t'arrive, le sucre? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'ai une Anatsu, sucre, en fait. On tourne. Bah, dès que j'ai terminé, si tu veux, on tourne. Donc, compte 25 minutes environ. 25-30 minutes. Yo, Infinity, non, elle est pas la vie. Enfin, elle est sur le chat, mais elle est pas à la maison. Mais elle est sur le chat quand même. Je suis en boîte, j'entends rien. Monsieur le sucre! Rentre à la maison et on tourne! Rentre! Come on! Je suis déchiré. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends. Ouais, il est bourré. Il est complètement éclaté. Ah, ce sucre, je le vois bien en boîte en train de danser comme ça là. Tananan, tananan. En plus, t'as répondu à mon commentaire. Tu es devenu mon youtubeur de canne préféré. Merci, bien, merci beaucoup. Mais y a pas de soucis, c'est avec plaisir. On va pas sur Apex. Mais on va aller sur Apex, attention, puisqu'apparemment l'autre il est en boîte. Vive Lyon. Ah, il en peut plus l'autre. Il en peut plus!
Bah, go ici. Et go déchire à la fin. Bon, je régène pas tant que ça, c'est un peu dommage. T'inquiète, monsieur le sucre. T'inquiète, t'inquiète. Comme ça. Attends, comment on fait le cœur? Ouais, si, c'est comme ça. Le sucre, il est bourré de ouf. De ouf, de ouf. Allez, go, on continue. C'est parti. 1 200 000, la première attaque. Yvian, c'est quoi l'appli pour jouer aux jeux mobiles sur PC? BlueStack. BlueStack, l'émulateur. D'ailleurs, je crois que vous avez le lien dans la description du live, hein, si je dis pas de bêtises, de BlueStack. Hein. À moins que je l'ai pas mis. Attends, je vérifie. Ouais, si, tout en bas, il y a le lien pour télécharger BlueStack. Si jamais vous voulez, vous descendez dans la description du live et vous pouvez télécharger ça. Je sais pas quoi faire là. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je mets Black en premier? Ouais, je vais mettre Black en premier. Vu que c'est le bon type. Vegeta en deuxième. Ah, en vrai. Ouais, si, c'est bien de faire comme ça en vrai. T'inquiète, Ayub, avec plaisir. T'as combien de doublons sur le Vegeta? Il est 100%. On a fait le premier héros des films, ouais, L1, ouais. On a fait le héros des films en premier, ouais. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre dans le... C'est mon truc à vibrer, non, je croyais. Ma... Goku Rush pour les... Ah, j'ai juste mis Goku Rush pour les défis dans le titre, ouais. J'aurais dû mettre les catégories qu'on est en train de faire, ouais. J'aurais dû le mettre. Ah bah, ça lise avec Zizir. Avec Zizir. Allez, du vert, please. Du vert. Oh, l'active skill. Oh, je l'active direct. Non, c'est pas vrai. Vous m'avez dit de pas le faire et je le ferai pas. Allez, go ici. Go, ici. C'est parti. À quand une vidéo avec Shinny? Je sais pas du tout, mais ça tardera pas, t'inquiète pas. Parce que Shinny, faut que je le capte pour l'aider, là, pour ses papiers, pour... Parce qu'il est passé auto-entrepreneur, là. Faut que je lui explique comment ça fonctionne. Parce que je lui ai fait faire l'inscription déjà et là du coup faut que je l'aide pour le site et tout. Ah ouais, Anthony, ouais, c'est peut-être parce que t'es chaud aussi, Anthony, c'est pour ça. Ouais, un petit peu SLM, il faisait les loups-garous à l'époque. Et Yekase demain, oui, demain. Une FAQ avec Vivi. Vivi, elle répond pas à vos questions. Vivi, elle a pas le temps de répondre à vos questions. Dis-leur, Vivi, dis-leur. Le SCJ God ici, parfait. Entre la transfo, putain, pour la proc, c'est une bataille infernale. Hein. Ah, il part pas en spé si je fais ça. De toute façon, il part pas en spé quoi qu'il se passe là. Ouais, bon, mais Black il partira. Malheureusement, je vais pas pouvoir augmenter sa défense sur ce tour là. Bah, tant pis. En vrai, tant pis, hein, j'ai pas le choix, je peux pas. Je peux pas sur ce tour là le faire partir. Franchement, tu devrais grave tenter quelque chose avec lui. Il est marrant, il est grave sympa. SLM avec qui? Ah, avec Mohamed. On verra si ça se fait un jour. Hein. Vivi a fait poum poum poum. Ah, c'est ça. Vivi, c'est poum poum poum. Du coup, tu lui dois 60 euros à Yekaze. Non, je lui dois 40. Je lui dois 40. Mais il est trop riche, c'est bon. En plus, il a trop de chance à chaque fois. Ah, oh, c'est le plus blindé de nous tous, Kaïs. Il est archi blindasse, quoi. En plus, il gagne sur les jeux de chance à chaque fois. C'est un truc de fou, quoi. Inch'Allah, ta couleur. Ah, Inch'Allah, je l'ai, hein, clairement, Younes. De ouf. Si, Vivi, dis-leur, tu fais pim pam poum comme ça. Tu dois 40, t'es dessous. Les derniers, je les troll. Au départ, j'avais pas dit ouais, j'accepte. J'ai juste dit par la suite pour le troll. Mais quand il m'a demandé la première, j'ai fait. Tu vas voir la vidéo, j'ai fait. J'ai pas répondu, j'ai juste tourné la tête. Je réponds quand on me pose une question. Ah, mais Vivi, maintenant t'es dans le futur, t'as plus le temps. Ça y est, c'était avant ça.
T'as vu le film Sonic? Ouais, j'ai vu le film Sonic et j'ai beaucoup aimé le film Sonic, oui. Oui. Ah, les sphères de qui, elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses. Elles sont archi dégueulasses, les sphères de qui, là. Alors, je vais partir en token mode. Putain de merde, j'ai pas fait attention. Bon, 320 000 quand même de... Ça va, mais ça aurait pu être... Ouais, ça aurait pu être 652 000 quand même. Ouais, on peut nourrir des regrets là-dessus. On peut nous... Après, le truc, c'est que j'aurais pas eu les 600 000, à part si je faisais exprès de pas partir en Dokkan mode avec Vegeta. Mais bon. Ça va et toi, Tico, tranquille? En forme? Yenné, il m'a dit chat. Oh putain, j'ai raté les trois derniers. Mais t'inquiète, Infinity Ludo, t'inquiète. T'inquiète qu'on va réussir le run juste pour toi, frérot. Rallume le jeu. Non, ça va, c'est bon. C'est le bon type, wesh. Pas forcément, hein, vu que c'est tech sur tech. Ça va et toi, Nando, tranquille. Salut Apex Mané aussi. Pas bah, 1 110 000 quand même. Eh, on a mis un critique. Avec les 5% de chance, ok. Aucune, Tetsu. Aucune. Disons, tu te rappelles de Susucre avec son couleur, en fait. Bien sûr, je m'en rappelle. C'était à Eclipsia, non? Oh, 103 000, j'ai pris, putain, c'est dur. C'était à Eclipsia, hein, je crois, ouais, qu'il avait drop son couleur, ouais. Je sais pas, Apex, je sais pas. Salut Vida, salut. Ceux qui disent, vous êtes quel genre de haineux? Ah, oh, mais il en faut, hein. En tout cas, magnifique ta team pour le Goku Rush. Ça retourne un peu sa veste, Infinity, là. Oh, par contre, ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime plus que beaucoup, même. Let's go. Mais oui, c'est vrai que ma team est quand même très jolie. Merci, Kem. Parce que c'est vrai que la team est sympa. Après, je sais pas si ça sera suffisant, mais bon. On verra. On va voir très rapidement si c'est suffisant ou pas. Bon, là, on va prendre un peu cher, non? 307. Ok, parfait. Donc là, on envoie l'aspect. Du coup, derrière, on augmente notre défense et tout. Ça va être cool. Cette fois, tu donnes à Vegeta l'équipe, pas comme l'autre fois. Mais l'autre fois, j'avais pas le choix, Elwan. J'avais vraiment pas le choix. Là, j'ai le choix, puisqu'il faut le faire stack. Pareil pour le black. Donc là, on a le choix. Non, pas trop fatigué, ça va. Il stack plus, là, Vegeta. Ah oui, bah oui, ça y est, il a un SSJ Blue. Bah oui, c'est vrai. Ah oui. Pourquoi tu vis pas avec Vivi? Parce que vivre avec Vivi, bah, ça coûte cher. Et que, pour le moment, je préfère attendre que... De son côté, elle est une situation stable pour qu'on puisse. Mais quand ça sera le cas, oui. Comment farmer des DS alors qu'on a fini les quêtes? Ben bonne question. Tu fais les events, tu te connectes tous les jours. Et normalement, tu auras ta chance. Je dis bien normalement. Lilian sort le Pepsi. J'ai du Coca Zéro au frigo. J'ai du bon petit Coca Zéro. Otaku, j'ai pas vu tes questions. Qu'est-ce que tu me disais? Attends, en vrai, il y a peut-être un truc à tenter là. Ouais, non, en fait, il n'y a rien à tenter. Il y a juste à faire ça. J'ai une monster. Ah, oh, t'es bien, Doui. T'as pris laquelle? Non, mais tu comprends le sens quand même, Victoria, quand je dis ça. Merci, Tetsu, c'est gentil. Hein. Maintenant, garde bébé. Ah, ouais, mais pas dans cette rotation, ouais, dans l'autre. Ouais, dans l'autre rotation à la place du Vegeta, ouais. Carrément, ouais. La basique, elle est bonne aussi. Hein. Elle est vraiment bonne. Ah, pas de soucis, Infinity, t'inquiète. T'inquiète, mais on va quand même gagner le run pour toi. Ça, c'est sûr et certain. Vivi avec ça, mais non. Nailo, il m'a dit, tout mon collège est abonné à toi, plus 400 abonnés. Bon, c'est beau, ça. Merci, Nailo, merci à toi. Et merci à eux, hein. Vikings, est-ce que t'es de retour pour nous jouer un mauvais tour ou pas? Vivi, ça lui a pas plu le cher. Non, mais c'est vrai, c'est pas elle, c'est... Le... Ça veut dire qu'il faudrait qu'on aménage, qu'on prenne un appart. Donc forcément, t'as le loyer, tout ci, tout ça. Je vais perdre en confort par un putain migaté qui se transforme. À ce que j'ai actuellement, je vais surtout perdre financièrement, quoi. Surtout ça, je vais avoir une grosse perte financière, quoi. Donc on pourrait, mais... Ça m'intéresse dans l'immédiat pour vivre avec des pattes, tout le moins, non merci, quoi. Lilian, s'il te plaît, ne fais pas de l'e-sport. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas que je fasse de l'e-sport, Nailo? Why? Attends, Migaté, il fait quoi comme ça, là? Ah, ben là, je peux le garder, Migaté. Il a des fortes chances d'esquiver l'attaque, là. Là, à l'heure actuelle, on peut le garder.
À l'heure actuelle, on peut le garder. Après, c'est pas 100% d'esquive aussi. Donc à tout moment, on prend une spé, on part en enfer. Enlève Migaté de la rota. Forte chance d'esquiver, les gars. T'as combien de doublons sur VGTMF? Je crois que j'ai un triplon dessus. Vous voulez que je sorte Migaté? On peut sortir Migaté, hein, mais bon. Je pense que... Après, le truc, c'est sûr que s'il mange une spé, il part en enfer. Mais là, tous, là, on est tous dans le même panier, là. Transforme Black Goku. Mais j'y arrive pas! J'y arrive pas! C'est quoi le remix instru? Tu tapes Naruto Seid Trap OST, tu vas trouver. Je sais que je dois être au-dessus de 80% d'HP, mais c'est dur d'être à 80% ou plus. Ah, le Pepsi à l'époque, Gael, ouais, c'était incroyable. En vrai, il y a peut-être moyen que je meure sur ce tour. Il y a des grandes chances que je meure même. On va voir. On va voir comment ça se passe. Il y a des chances de mourir. Bah, ça n'a rien à voir, Vivi. Mais dans un premier temps, le fait de trouver un boulot, ça peut être une solution quand même. Ça, c'est une excuse en vrai. Ça t'amène une stabilité derrière. Si c'est une question de une ou deux semaines, allez, trois semaines, bon. On l'a déjà fait, quoi. Faut avoir au-dessus de 80% de ta vie pour la transformation de Black. Je sais, mais les gars, c'est ultra dur, là. Regarde IQ. IQ, faudrait que je m'y mette un jour. Hein. Pète sa mère la musique en fond. Ouais, elle est stylée, Florentin. Elle passe bien en version trap. C'est quoi ton snap, Lilian? Je crois qu'il y a, il y a mon pseudo dans la description, hein, normalement. Ou peut-être le lien maintenant. Oh non, je prends l'aspect sur Migaté. Dis-moi que tu l'esquives, t'as des grandes chances d'esquive. Dis-moi que t'esquives, sinon on a perdu. Bah je crois qu'il esquive pas. Eh ben on a perdu. Merci Migaté, t'es une salope. Ah t'es une salope Migaté. Oh Migaté, t'es la... Ah, ah Migaté, putain. Putain, Migaté quoi. Je sais, on te l'a dit. Ben, on te l'a dit. Non, tu me l'as pas dit. Non, je le sais moi-même que Migaté, c'est compliqué dans ce run. Mais bon. Migaté, je suis obligé de le prendre. J'ai pas le choix. Tu veux que je fasse comment? Ender avec cette team, c'est mort. En vrai, on peut s'en sortir, mais c'est chaud, quoi. Je veux savoir s'il n'est pas le Goku Blue. Ah putain, j'ai pas eu le temps de lire le message d'août jusqu'au bout. Désolé. Hein. Désolé à la personne. Miga pute. Ah ouais, c'est un peu ça, quoi, limite. Non, mais c'est hardcore, quoi. C'est hardcore. Ah, Migaté, c'est une chèvre, quoi. Yo, Lilian, ça va à minuit. Tu l'as toujours, toujours, Théo. On est toujours là, toujours présent, toujours debout. Quelle team? C'est la team divin, Lourgar. Ah, tu vois, la musique en fond, ça exprime exactement ce qui est en train de se passer, là. Oh, 55 000. Ah, t'inquiète, t'es loin. Non, mais après, voilà, c'est compliqué, hein. Non, t'es pas obligé de prendre Migaté, tu peux prendre deux Amasuaji. Merci Mehdi de me la prendre. Merci à Théo pour la donation d'ailleurs. Mais Mehdi qui me dit, effectivement, non, t'es pas obligé de prendre Migaté, tu peux prendre deux Amasu Agilité. Alors, je suis super content de la prendre, effectivement, c'est vrai que je peux prendre deux Amasu Agilité. Mais, encore faut-il avoir le deuxième. Mais merci de, et tout de même, de m'apprendre qu'effectivement, je peux avoir... deux Amasu agit. Lilian, pourquoi tu joues le Goku Endurance? Tu veux savoir, Nailo, pourquoi je joue le Goku Endurance? Tu vas très vite comprendre pourquoi. Tu vas voir. Lilian, avec ta puissance, résiste à ce Goku Blue. T'inquiète, on va le fumer. On a juste pas eu de chance. C'est juste pas eu de chance. Coucou le Lilian, le God Goku LR, il faut le jouer avec quelle team? J'allais jouer avec quoi la dernière fois? Kamehameha, je crois, Divin. Kamehameha, Divin, je crois, il est pas mal. Hein. Il y avait une autre team aussi, je sais plus laquelle, mais il passe dans 2-3 teams, ouais. Pour ce commentaire, donation d'euros, merci le regard, merci à toi. Il n'y a pas assez de confiance en Lilian sur ce chat. Ah mais à chaque fois ils me font pas confiance et à chaque fois on réussit les runs. Bon, bon. Eh les gars, perdre sur un Goku Rush, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein.
Végéto Inde, il est bon. Oui, il est bon, il est très bon. T'inquiète, Saphir, ça va le faire. Ça y est, on a les deux Goku côte à côte. Enfin, le Goku et le Végéta. En voilà une bonne nouvelle. En plus, ici, on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Ça va le faire. Tac. Déjà, Vegeta, il tank. Il y a les soldes sur Dokkan. Je sais pas si elles y sont encore, mais normalement, oui. Il me semble que oui, normalement. Non, il n'y a pas de doublon en Nando dessus. Il n'y a pas de doublon. On a le temps, ça, Tico. Hein. Faut faire stack Vegeta MF en priorité. Après, il peut plus. Oui, je sais, je sais. Mais bon, malheureusement, là, je suis dans l'obligation de le balancer en... en T3, quoi. Oh, 95 000. Ok, j'ai la fusion de Zamasu, mais j'ai pas celle de Rosé qui se transforme, putain. Ah! Ah, Rosé, j'arriverai pas à avoir les 80% de PV à chaque fois. C'est un truc de fou, ça. C'est une plaie, hein. C'est vraiment une plaie pour les avoir, ce truc. On va réduire les dégâts encaissés. On va faire ça. Emigaté, tu vas partir en spé. Hop, comme ça on régène un peu. Allez, go. En vrai, il y a moyen. En vrai, il y a archi moyen d'avoir... d'avoir la transformation dans deux tours. Il y a archi moyen. Minaloun, MSP. Hey Lilian, est-ce que tu as pu trouver un jour pour faire du Mario Kart 8 avec nous? Si oui, quand PS et Ilena pour te rafraîchir? Ah, bien vu, Minaloun, putain, à chaque fois tu changes de pseudo, je m'en souviens plus jamais, moi. Merci Ilena pour la donation, du coup. Alors, on a réfléchi, mais c'est compliqué, parce qu'à chaque fois, il y a des imprévus. Mais ça va revenir très très vite, Ilena, t'inquiète. Mais si ça revient, il y a des chances que ce soit le jeudi. Il y a des chances que ce soit le jeudi, clairement. Mais merci en tout cas pour ta générosité. Merci à toi. T'as fait des modifs à ton micro. Ah mais ouais. Eh ouais, mais j'avais pas fait attention. Ben voilà, là le micro c'est beaucoup mieux comme ça. Non, c'est pas beaucoup mieux comme ça. Normalement c'est archi mieux là. Ah ouais, j'avais pas vu. Ah c'est bon, on a la transformation, regardez. Tac, on a régène. On a régène et on tue ici. Eh ouais, j'avais pas fait attention au micro, putain. Ça va et toi Rafou, tranquille? T'as quel âge? Moi je suis vieux, hein. Je suis un daron, moi. Je suis un gros daron, moi, ça y est, hein. C'est grave mignon, le micro, t'inquiète pas. Ouais, ouais, j'ai pas fait attention. Tu vois le Goku End, 1 100 000, il l'a mis là. Et c'est pas forcément le bon type en plus. Ça y est, on a la transfo. Ça y est, let's go. Let's go. T'as 40 ans. Ouais, presque, hein. Presque, hein. Non, en vrai, j'ai 27. J'ai 27, les amis. Oh, j'active. J'active l'active skill, là. Faut l'activer, là. Ça va pas du tout. Y aller. Réfléchis bien à ce que tu vas faire, mon petit Lilouche. En vrai, il y a peut-être moyen de partir en spé si je vais ici. Ouais, let's go. Let's go. Je pars en spé avec tout le monde. Let's go. Let's do it. Comment tu fais toi pour farm les DS? Ben, je me connecte tous les jours, je fais les différents events, les missions, et puis c'est comme ça qu'on récupère les DS. 68 000 games, ah ouais, c'est pas plaisir ça. Ah, c'est un peu ça à vivre. Hein? Lilian, une fois, il y a une fille de 35 ans qui t'a dit, sans vos lunettes, c'est le jour et la nuit, il y a genre 2 ans. Oui, c'était dans ma salle de sport, oui. J'étais dans ma salle de sport et effectivement, ouais, j'étais en train de finir ma séance de sport, j'étais en train de faire mes abdos et effectivement, oui, il y avait une femme qui a débarqué et qui s'est permis de me dire que sans les lunettes, j'étais beaucoup plus beau qu'avec. Donc en gros, elle a insinué que j'étais dégueulasse avec les lunettes, quoi. Voilà. Effectivement. Oula, ça attaque beaucoup là. Ouh, ça va piquer. Zloop. Déjà, on récupère la santé parce que la santé, c'est la santé. Tac. Ah, par contre, je pars pas en spé avec Migatel après. Dommage. Tri
Triste vie pour Lilian. Non, mais c'était rigolo. C'était rigolo. Montre-nous sans lunettes. Bon, vous avez déjà vu, je vous ai déjà montré, normalement. Lilian, est-ce que tu crois que Charlotte va être sur Dokkan? Pourrait y avoir un crossover à tout moment, hein, qui pop, hein. Ce serait rigolo, quoi. Ou alors, elle venait draguer. J'en sais rien, mais en tout cas, c'était une daronne. Elle avait quoi, je sais pas, elle devait avoir dans les 35-40, quoi. Quelque chose comme ça, quoi. 27 ans, toujours pas de barbe, t'inquiète. Ah, si, si, en vrai, j'ai au taquet de barbe. Si, si, Vivi, elle peut confirmer, j'ai au taquet de barbe. Quand ça pousse, là, pas là là, la barbe que j'ai en vrai, bûcheron, hein. Mais vrai bûcheron. Le vrai de vrai, hein. Et t'inquiète que je vais vraiment partir en spé. Tac, tac. Et tac. Désolé, Juan Zubeldia. Je ne t'avais pas dit. Je t'avais pas vu, pardon, excuse-moi. Vous voulez un petit jeune? Ouais, c'est possible, Vivi. C'est possible. Tout le monde veut voir les louches sans les lunettes. Bah, vous m'avez déjà vu, mais si vous voulez, hein, je vous montre sans les lunettes. Après, ça va vous faire bizarre. Vous allez dire, ouais, c'est mieux avec les lunettes ou quoi? Parce qu'en fait, vous avez l'habitude de me voir avec les lunettes. Mais non, ça n'a rien à voir. Sans les lunettes, c'est quand même beaucoup mieux. Clairement. Tu as un doublon sur ton Goku Blue Hand. J'ai même... Ah, le Blue Hand, le Goku, non. Par contre, Vegeto, oui. Voilà, voilà. Non, mais je préfère sans les lunettes, quoi, clairement. Après, là, j'ai les yeux un peu éclatés et tout, mais bon. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener, d'avoir des lunettes. Mais un jour, hein, je promets que le jour où j'ai vraiment de l'argent, je fais l'opération. C'est sûr et certain, je fais l'opération des yeux. Et hors de question... Dokkan Mode, ouais, si bon. Ah, si bon, j'ai dit, mais en vrai, Dokkan Mode, ça aurait pu être avec Vegeta. Je vois pas la diff. Ah bon, ça en coupe, tu vois pas la diff. Merde! Ah, j'adore cette OST. C'est dangereux, l'opération. Non, y'a rien de dangereux. Et en vrai, y'a rien de dangereux dans l'opération. On est en 2020, on n'est pas en 2000. Hein. En vrai, ça se fait super vite, en plus. Hein. Mais non, mais je la ferai, c'est sûr. Le truc, c'est que en fait, pour faire l'opération de la myopie, il faut compter 1 400 € minimum par œil. Donc en gros, t'en as pour environ 3 000 €, quoi. Non, toi, ça te va bien, Vivi. C'est 99,8% de chance que ça réussisse. Ouais, voilà, c'est ça. Coucou du Québec. Oh, Garcha, ça va ou quoi? Comment ça se passe là-bas? Pas trop froid? Ah non, je veux pas mettre des trucs dans mes yeux, Alwan. Les lentilles, c'est hors de question. Hors de question, je veux pas mettre de lentilles. Hors de question. Oh putain, je vais prendre cher là, non? Oh, Zamasu. Incroyable esquive. Incroyable esquive de l'attaque spé. Le beau gosse est arrivé. Tadam, tadam, tadam. Ah bah t'es arrivé en plus dans la rotation parfaite. Allez, tiens, prends tout. Fais-toi plaisir. Non mais toi Vivi, ça va, tu mets des lentilles, donc toi ça va, en vrai t'es bien. Mais perso, ouais non. Non mais c'est sûr, je la ferai parce que j'ai vraiment un gros complexe sur les lunettes, quoi. T'as jamais mis de lentilles pour des cosplays? Non, jamais, hors de question, je mets rien dans mes yeux. Déjà, je me mets une goutte d'eau dans les yeux, je suis là, je suis comme ça là. Ah, ah, ah. Oh, t'as l'impression, j'ai perdu un œil, quoi, quand j'ai une goutte d'eau qui me tombe dans les yeux. Donc ouais non, c'est mort. Mais non, moi je peux pas aller. Franchement, je peux pas aller. Les lentilles, c'est mort. C'est pas possible. Non, vraiment. Non, je te jure, Hakim, c'est exactement comme ça. Vivi, elle peut confirmer. Hein. Quand elle la dernière fois, j'avais un peu l'œil explosé. Je sais plus quand. Là, elle m'avait mis des gouttes. Ah, j'étais comme ça. Hein. Ah, j'étais mal. Ah, oh, 147 000. Sérieux, là, Migaté, là. Putain, t'abuses. Comment ça se fait que Victoria ait que 400 abonnés? Bah, c'est déjà bien. Déjà très bien qu'elle ait 400 abonnés. Oh. Oh, après, elle va prendre la grosse tête, là. Ça va pas la tête? Pareil que toi, j'ai jamais mis de lentilles dans les yeux, je préfère 100 fois garder mes lunettes. Ouais, voilà, c'est ça. Je préfère pareil à choisir, à avoir mes lunettes, quoi. Surtout que l'opération, ça va te stabiliser la vue. Ouais, ça va, Yuri, sinon, ça va, ouais. Comment ça va me stabiliser la vue? Tu veux dire, ça va la laisser au même niveau, quoi. Ouais, ben oui, en plus. En plus. Non, mais c'est pour ça. C'est un investissement, en vrai. Hein. 3000 balles, c'est un investissement, mais... Mais bon, ça se tente. Puis en vrai, je pense qu'il y a moyen avec certaines mutuelles d'avoir une partie remboursée. D'ailleurs, il faudrait que j'en prenne une mutuelle puisque je n'ai plus d'assurance maladie. Donc ça serait bien.
ça serait bien Biang même. Oula. Oula là. Ça attaque beaucoup de fois là. Et je pars pas en spé en plus. Merde. Ah, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça, les gars. Ouais, je suis obligé de faire ça pour le moment. Tant pis, pas le choix. Pas le choix, faut y aller. On va faire ça pour ce tour. Ouais. On va faire ça et on va faire ça. Plus 1 pour Vivi, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, abonné, ouais. Ouais, Nailo, mais j'ai déjà tout regardé sur Twitch. Oui, non, mais je veux dire, ok, Vivi, mais j'ai pas de mutuelle et j'ai pas de, de CMU, j'ai rien, quoi, là. Donc, s'il m'arrive une merde, en vrai, c'est chaud, quand même. Ça va être tout à mes frais, quoi, donc c'est relou. Non, c'est mort, Elwan, je me laisse pas pousser la barbe pendant 3 mois, ça va être dégueulasse, en vrai. Non. Non, non, déjà, je laisse un mois ça, ça devient dégueulasse, alors laisse tomber, quoi. Salut, Drex. Salut. Pour le portail de couleurs, il vient lundi. Vivi s'énerve. Ah, Vivi, elle s'énerve tout le temps sur moi. Mais que sur moi. Sinon, c'est pas rigolo. Regarde destination finale 5 avant l'opération, tu vas être rassuré. Ouais, mais ça, t'inquiète, ça me dérange pas, ça. Mon manga préféré, c'est quoi? C'est Fairy Tail. Non, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Mais ceci dit, j'aime bien Fairy Tail quand même. Mais non, c'est pas Fairy Tail. Je sais pas. Préféré, pff, c'est trop compliqué. À chaque fois, on nous demande ça, mais c'est trop dur de répondre à ce genre de questions. Ouais. Par contre, on est pas bien là. Attends, je suis en train de calculer. Attends, il y a peut-être moyen que je meure, non? Non, ça va pour le moment. Lien pro dans ta description, tu mets pas la chaîne de Vivi. Bah, ça lui sert à quoi d'avoir des abonnés de ma chaîne sur sa chaîne à Vivi en fait? Ça lui sert pas à grand chose en fait par rapport au style café. Ah ouais, hey, ça se pointe. Ah ouais, sérieux, Matt? Je l'ai pas vu, Destination 5 en vrai. Je l'ai pas vu. Oh oh, oh oh, Migaté. Oh oh, tu tankes. Ouais, t'es un frère, Migaté, ça va. Tu vois, Migaté, tout à l'heure, il était pas content, mais là, il fait plaisir, là. Là, il fait zizir. Ah, bah, je crois qu'on va aller atténuer les dégâts encore, hein, de quelques pourcents, parce que... Je crois qu'il y a comme l'impression que je vais prendre cher, là, non? Ouais, on va aller atténuer les dégâts tranquillement et sûrement. Allez. Go le voir alors, Liouche. Ouais, faudrait que je regarde du coup. Mais ça changera rien au fait que je veux faire l'opération. Hein. En fait, si je veux faire l'opération, c'est un peu l'opération du désespoir, tu vois, pour moi. C'est vraiment un moyen de trouver pour plus que je mette de lunettes, quoi. Vraiment. Vraiment, c'est le the best moyen, quoi. Donc, ça changera rien. Classico demain. Ouais, demain, je regarde le match. Hein. Real Barça demain. Obligé de le regarder. Ah merde! Ah merde! Ah merde! J'ai pas le choix, faut y aller. Eh bien, pas le choix, faut y aller. On va régénérer un petit peu. On va régénérer un petit peu plus. Combien là t'as de défense du coup, Pierre? 149 000. C'est pas foufou, hein. Mais on s'en contentera. Allez! Après, on va faire une pause, je vais aller faire pipi. Parce que sinon, je vais me faire dessus dans quelques minutes. D'ailleurs, Lilian, c'est bientôt le ramadan, tu vas recevoir. Mais pourquoi tu bois de l'eau, c'est ramadan? Ah putain, le fameux. Putain, c'est vrai que ça, à chaque fois, on me le fait, ça. À chaque fois que je bois de l'eau pendant que c'est ramadan ou que je mange un truc, ah ça y est, tu prends cher dans la tête. Parce que les autres le font, tu dois le faire. C'est vrai que c'est pas mal, ça, ouais. C'est pas mal. Mais bon, c'est pas grave, c'est parti du jeu. On en recevra, mais ça nous empêchera pas de boire quand même, quoi qu'il arrive. Après, je fais attention non plus à pas exagérer. Hein. Parce que c'est pas bien de faire de la provoque, mais normalement, comme là, j'ai pu boire, bah oui. Après le classico, tu fais un live. Possible. Possiblement. Je suis obligé de garder le Zamasu, là.
Je suis obligé de le garder encore. Je peux pas mettre Nigaté, c'est pas possible. Ouais. Ouais. Ah putain, j'avais pas besoin de prendre la sphère de ki comme ça. Si tu fais le ramadan, Lilian, je pense que tu meurs. En vrai, il y a moyen, ouais. Non, je vais pas mourir quand même, mais c'est dur. Hein. C'est très dur à faire. Ah putain, je prends tellement cher. Non, Hakim, je suis pas dans la pro quand même. Non, non. Ah, Gohan, c'est très bon. Sauf la saison 3 en animé qui est dégueulasse. Mais sinon, le manga Nanatsu no Taizai est très très bon, Gohan. Vraiment. Sérieux, AMG Willas? C'est vrai cette histoire ou pas? Il a dit « Vendredi, j'étais en cours d'anglais, notre professeur nous a mis une vidéo, elle est partie et un de mes potes a mis une de tes vidéos en random rush et il s'est pris 5 heures. » Il a pris 5 heures de colle pour ça, ça me paraît beaucoup quand même. Ça me paraît vraiment un extrême de ouf. Migaté qui commence à souffrir très sérieusement là. Oh putain, oh Vegeta. Oh toi, roi Vegeta. Oh la régène et tout. Oh. Incredible. Ah, roi Vegeta, tu vas faire mal. Là, tu vas faire mal. Là, tu vas faire très très mal, mon petit Berita. Lilian, comment tu as fait pour créer un compte avec Midas? C'est pas moi qui m'occupe de ça. C'est pas moi. Désolé. C'est pas moi. C'est Kaïs qui les récupère. Je sais pas comment il se débrouille. Hein. Je crois que c'est un logiciel qui te permet de le faire. Il y a un truc, je sais pas exactement comment ça se passe. J'en ai aucune idée. Mais du coup, ça se récupère facilement, ça, c'est pas un souci. Non, en vrai, Amir, pas forcément, non. Pas forcément, parce que t'as deux types. Tu peux le faire normalement. La dernière fois, je sais que Naïm, il pouvait le faire. Les comptes Ami DS. Genre, t'as un logiciel qui te permet de les faire comme ça, là. Donc, je sais pas. Bonus de co. Ouais, non, mais il y a ça aussi. Après, je sais qu'à l'époque où on allait sur les comptes 1000 DS, on les achetait sur un site directement. Tu payais, genre, je crois, 13 balles. Un truc comme ça. Ah, je suis obligé de faire ça, là, en vrai, non? Vas-y, go faire ça. Hein. Je te montre un jour. Ah, je vais te montrer comment avoir des comptes à 1000 DS, hein, bien sûr. Autant que je me tire une balle dans le pied aussi, ouais. Évidemment. Non, non, non. Ça parle trop mal des comptes 1000 DS à chaque fois. J'ai pas. Ça sert à rien de. De toute façon, on n'en fait pas forcément la promotion. Nous, on les utilise uniquement pour faire les duels invocations à chaque fois. Hein. Tu te fais ban, non? Non, c'est même pas ça. Après, les comptes, ouais, faut pas investir dessus parce que y a forcément des risques de ban. Moi, je sais pas comment ça se passe, mais oui, il y a forcément des risques de ban, quoi. Mais c'est juste nous pour les utiliser pour les duels invoques, quoi. C'est le but. C'est juste la manière de kiffer à chaque fois, quoi. Mais bon, vous savez, il y a des gens qui dramatisent le truc, qui dramatisent les comptes 1000 DS, mais à un point, vous imaginez même pas, quoi. Donc bon, sauf ceux qui sont vraiment investis dans Dokkan comprennent et... Ah, Migaté, ça y est, il s'est transformé, c'est le drame. Après, il va y avoir du drame encore. Oh, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je sais qu'il y en a qui étaient en live. Kaïs m'a expliqué un peu la situation parce qu'apparemment, il était passé en vocal, etc. Bref, il y en a qui étaient en live, qui parlaient par rapport au compte des 1000 DS, blablabliblou. Bref, c'est... Oh putain, là, on va... Ouf. Phantom Portier là, non? Bref, qui était pas content parce que faire des duels invocation, c'était des vues faciles, utiliser des comptes 1000 DS, c'est le chétan, etc., etc. Sachant que tu les utilises juste pour faire ta vidéo justement duel invocation, qui est une vidéo qui a pour but de divertir, sachant que tu ne donnes pas le compte, tu n'incites pas à avoir des comptes à 1000 DS, tu expliques bien à chaque fois qu'il y a des potentiels risques de ban, donc ne le faites pas, etc. Mais malgré ça, bah, y a des gens qui râlent parce que c'est des vues faciles. Voilà, bref, c'est un détail, mais c'est tout con, tu vois. Ah, je parle pas. Alors non, pas du tout. Ne commencez pas à aller inventer des histoires, je sais pas quoi. Je parle pas forcément de Brice. Rien à voir. Il y en a d'autres. On n'est pas là pour citer des noms. Mais
Mais voilà, il y en a qui parlent et je trouve ça un peu débile, quoi. Parce qu'à la base, quand nous on sort avec Kha'Zix ou avec n'importe qui d'autre un duel invocation, enfin en général on le fait que avec Kha'Zix, bah, quand on fait un duel invocation, le seul but de la vidéo, c'est de passer un bon moment, divertir et faire kiffer. Et la preuve en est que c'est ce qui marche le mieux. C'est des vues faciles comme ils disent, mais c'est ce qui fait le plus de vues. Et les gens qui parlent ne vivent même pas de YouTube en fait. Comparé à Kha'Zix ou moi-même par exemple, bah nous on est investi à fond sur YouTube Twitch, entre guillemets. Ces gens-là, eux, ils ont un boulot à côté ou je sais pas, tu vois, ils font un live tous les 4 du mois. Bref, et c'est comme ça, tu vois. Et en fait, c'est pour ça, j'aime pas du tout cette attitude. Vraiment. J'aime pas du tout. Bref, c'est un détail, hein, on s'en bat les couilles en vrai. Hein. Je veux dire, ça passe au-dessus. Hein. Mais bon, c'est facile de parler quand toi, t'es pas aussi investi, etc. etc. quoi. Bref. J'ai pas envie de rentrer dans le sujet profond. Je pense qu'il y a déjà eu plein de discussions sur ça. Reprenons ce Random Rush. Ce Goku Rush. Tu trouves légit? Bah, Infinity, en soi, qu'est-ce que ça change? Si c'est juste pour le kiff. Qu'est-ce que ça change demain à ta vie si imaginons, moi, demain, je crée un compte à 2000 DS, je joue dessus, j'ai mon compte à 2000 DS, je fais mes invoques, mais le compte derrière, je le réutilise pas. Et après, il est jeté, il est à la poubelle. Toi, qu'est-ce que ça change à ta vie? Sachant que nous, on fait juste un duel invoque, on se met un petit enjeu derrière pour ajouter un petit pi enfin, du piment, tu vois, à la vidéo. Du divertissement, de la bonne humeur, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que vous, ça vous change? Juste, ça change rien. Ça change rien. Ça change rien. C'est pour ça. Au foot, Nailo? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. En vrai, meilleur joueur, je sais pas. Mais j'aime beaucoup Messi. Après, Ronaldo est incroyable aussi. Mais j'aime bien Messi. Ah, je préfère un peu Messi quand même. Ouais, un petit peu Messi. Bah c'est ça, Amir. C'est ça. Il n'y a rien de plus derrière. Rien de mal. Mais il y en a, ils arrivent à créer du mal sur des trucs qui les concernent même pas en fait. Ça les concerne même pas. C'est ça le pire, quoi. Mais bon, c'est la vie. Ceci dit, les amis, qu'est-ce que je fais à votre avis sur ce tour? Lilian, tu vas faire tes implants ou pas? Je t'ai plus entendu en parler. Non, mais j'ai pas de problème sur les cheveux, mais le jour où ça arrive, t'inquiète, je fais comme Susucre. Hein. T'inquiète même pas que le jour où ça arrive, je pars en Turquie, implant direct, mais pour le moment, ça va. Il y a des sujets plus graves. Ouais, le coronavirus, ouais, carrément. Ouais. Ah, mais bientôt, il y en a qui vont dire que justement, avec les comptes à 1000 DS, on peut avoir le coronavirus aussi. Évidemment. Bref. Lilian Chauve, putain. Ah, Lilian Chauve, c'est hardcore, hein. Lilian Chauve, c'est comme ça, hein. Tu me vois comme ça, là? Attends. Attends, Théma, comme ça. Hein. Putain, on voit mes cheveux encore. Putain, on voit mes cheveux. Attends, comme ça. Hein. Ouais! Ça va quoi, les gars? Tranquille, en forme? Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Grosse vidéo. Ah, ça passe bien ou pas? En vrai, ça passe ou pas comme ça? Je vois aucune différence. Ah, bah, on est d'accord. On est d'accord, on voit pas de diff. Hein. On dirait un skin de Vincent Lagaffe. Je sais pas, avec des lunettes, quoi. Laisse tomber, quoi. Ça fait un style. Ouais, abusez pas. Putain, je sais pas quoi faire. Vas-y, vous m'avez déconcentré là. Vas-y, dans le rush là, entre ça et les 1000 DS là. Je sais plus quoi faire. J'ai que 65 000 de défense, il attaque 46 fois au départ. Toi, ça y est, Amir, t'y es là, non? En vrai, pourquoi tu rases pas direct, Amir, maintenant? Parce que toi, t'as du flow encore quand t'es chauve. Toi, ça va, ça passe. Monsieur propre. Ah, j'avoue, c'est un peu le même. Ouais. Surtout que je suis bien blanc comme lui en plus. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. T'es pour qui, Barça ou Real? Ah, Barça. Je suis plus pour le Barça en vrai. Le Real, je sais pas, j'ai une haine profonde contre ce club depuis toujours. Moi, ouais, je sais pas, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Ceci dit, il y a des joueurs que j'aime beaucoup au Real, hein, mais en soi, le club. Non, je sais pas, Amir, je trouve que ça te va bien en vrai. T'as vraiment la dégaine, tu sais, à avoir le gros crâne chauve, petite barbe, grosse lunette de soleil.
En vrai, si. Bon, je sais plus quoi faire, là. Aidez-moi, là. Ça y est, je suis perdu, là. Je crois que je vais claquer un ghost, là. Ça va pas du tout, la rotation. Le truc, c'est que derrière, est-ce que j'ai de quoi tanker? Je vais avoir... si, je vais avoir Rosé. Julien, ouais, on va jouer, on va jouer. Goku en first. Goku, il se fait massacrer 15 fois, là. Sinon, j'utilise une Ebi. Soit j'utilise Ebi. Vegeta en deuxième, Goku en premier. Ouais mais non. Ça va partir sur une grosse Ebi, là. Hein. Parce que là, t'as vu, attends, je suis sur mauvais type. J'ai combien de défense? 124 000. Allez, hein. Allez, hein. Très, très vite, hein. Cascade. Jamais de la vie, je fais une cascade là-dessus. Hein. Non, c'est bon. Migaté, je sais pas ce que ça va donner Migaté du coup à partir de maintenant, mais va falloir y croire. Hein. Lien, 1 million d'euros ou Hedgehog? Ah, 1 million d'euros, hein, je prends 1 million d'euros. Par contre, tu me dis demain, pour 1 million d'euros, est-ce que tu te fais chauve? T'inquiète que dans 5 minutes, je suis chauve. T'inquiète même pas. Je vais chercher la tondeuse. Allez, hop. Vivi, raconte-leur ta vie sur les Sims. Dis-leur que tu es devenu un vampire. Que tu t'es fait manger dès les premiers jours. T'es team manga ou animé? Ah, je suis plus animé, moi. J'ai besoin de ressentir les émotions au travers un animé, justement. Avec les musiques, etc., etc. Ouh, le tour qui fait pas plaisir. Ouh, le tour qui fait pas plaisir. Ouais. Ouais, là, clairement, c'est un tour qui fait vraiment méga pas plaisir. Ouais, non, là, c'est un tour qui fait vraiment giga. Je pars en Dokkan mode, putain. Je suis obligé de partir en Dokkan mode. Bah, de toute façon, j'ai pas de AJ dans la team à part le Jean-Paul, là. Mais, oh, l'aspect d'entrée de jeu. Oh, 204... Attends, mais oh, 290 000. Il fait m'envoyer en enfer, lui. Ouais, c'est vrai que tu bois mon sang, en plus, Vivi. C'est vrai que tu bois mon sang dans ta partie des Sims, là. J'hallucine, quoi. Oh, il va trop vite. Oh, il va trop vite. Oh, Matt, t'as vu, au fait, va y avoir une démo pour Resident Evil 3. Va y avoir une démo. Ah, il me tarde. Oh, j'ai vu du gameplay, là, avec Nemesis, là. Ouah, c'est chaud, Nemesis, en vrai. Oh, ça a rien à voir avec Monsieur X, hein. Oh. Ils l'ont bien retransmis, hein. Ah, c'est chaud. J'ai vu comment il fait. Il t'attrape avec une corde et tout, comme ça. Il te traîne. Il te court dessus. Il te met une patate. Et il te tire dessus à distance et tout. Oh, c'est chaud, hein. Non, c'est chaud. Ça va être très, très dur, Nemesis. Hein. Salut, Gaël. Salut. Cham Soudine aussi, hein. Comment vas-tu, hein? Oh putain, fait zéro dégâts là. J'espère que Vegeta il va encaisser comme jamais. Ça va stream sur Twitch ou ça va me dire. Ah bah ouais, carrément. Carrément. Et on va refaire Mad of Medan aussi avec Vivi parce que du coup on avait eu un souci avec la sauvegarde. Et j'ai vu qu'il sortait un nouveau jeu là cet été. Donc du coup, on va refaire histoire d'être à jour. Oh les verres s'il vous plaît, du vert. Ouais, du vert, let's go ça. Let's go. Let's do it. Bah, je crois que ça revient même. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là. Là, on est bien. Oh là, on est bien. Oh là, on est bien sur ce tour. Oh là, on est très très bien. Vas-y, pars en spé, toi aussi. Il faut que tu fasses mal un peu. Ouais, non, il y en a un autre, Gaël, sur le chat. C'est pour ça, ouais. Il y en a un autre. Jolie rotation. Ouais, elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Ah, Vivi, t'es pas prête. Hein, comment tu vas crier avec le nouveau Resident Evil? Ah, t'es pas prête, Nemesis. Hein. J'ai regardé du gameplay de ce qu'il fait. Hein. C'est pire qu'à l'ancienne, hein, ce qu'il fait. Hein. C'est vraiment pire. Hein. C'est chaud. Hein. C'est vraiment très, très chaud. Hein. 300 000, qui c'est qui a pris 300 000? Goku? Mais attends, t'étais pas censé avoir plus de défense? Goku, qu'est-ce que tu m'as fait? Sur la version PC, je dois créer un nouveau compte ou je garde celui du tel? Bah en fait, connecte-toi avec Facebook sur celui du tel. Comme ça, au moins, tu gardes le même compte. Tu gardes le même compte. Ah ouais, mais je prends Bagdad, là. Lilian le best. Ouais, bah Lilian le best, il est pas bien, là. Je suis obligé. Je suis archi obligé. Item, ouais, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix.
RIP. Si je prends l'aspect sur le SSG Boost, c'est triste encore. Hein. Bah après, tu me diras, Migaté, je prends l'aspect, je pars en enfer aussi. Donc bon, ça revient un peu au même. Item, sinon bague d'adresse, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Bon, attention, quoi qu'il arrive, en fait, je vais prendre cher dans ce tour. J'aurais dû mettre le bout en premier parce que je prenais moins d'attaque, je crois, mais bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai fait des choix, il faut les assumer. Même en vrai, pour 1000 euros, tu fais la boule Z, Lilian, je suis sûr. Ah, 1000 euros en vrai, non, c'est chaud. 10 000, ouais. 5 000, ouais. En dessous de 5 000, franchement, c'est chaud quand même. Tu fais le divin. Ouais, Végéta, on est en train de faire la team divin là, ouais. Oh, l'attaque supplémentaire de Rosé qui va continuer à augmenter sa défense. T'as bien fait d'item, sinon c'était tchaouin ouin. Ah, de ouf, je partais en enfer. Ça va ou quoi, Barbie Otaku? Tranquille. Pourquoi tu fais pas Resident Evil en live sur YouTube? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les lives sur Twitch et je mettrai les rediffusions sur YouTube. Je pense qu'on va faire comme ça. Salut Kuno aussi. Salut, salut. Tiens, mange mes contres. Tu peux pas faire des contres en critique un peu végétaux. Il est 100%, il a que du critique, il en fait jamais un seul. C'est hallucinant, il met zéro critique. Ah bah tiens, il suffit de parler pour qu'il en mette un. Ouais, par contre, attends, c'est moi. Ah non, c'est moi ça, j'ai cru que c'était lui. Bien joué ça, Dani. Bien joué, bien joué. 700 000. Ah, j'ai pris. Oh là là, heureusement. Heureusement, parce que j'ai pris 80 000 en auto-attaque. Ah, si je prenais l'attaque spé, ah, c'était fini. Même avec le C8, même avec ça, ah, c'était giga méga fini. Je ferais peut-être mieux de mettre Végéta en premier par rapport au type. Ouais, je vais mettre Végéta en premier par rapport au type. Les esquives sont avec toi. Ouais, mais sur la dernière phase, il n'y aura pas d'esquive. Hein. Sur la dernière phase, il n'y aura vraiment pas d'esquive. Donc bon. Déjà, même là, bon, on est bien, mais bon. En plus, on a régène toute notre vie. En vrai, c'est cool. C'était sûr qu'il allait esquiver. Mais il a des grandes chances. Après, il a des grandes chances. Donc bon, tant mieux, faut en profiter. Mais à un moment donné, ce sera compliqué, quoi. Merci, Shamsoudine. Merci à toi. C'est super gentil. Hein. Pourquoi un live DB Legends? Ben, j'ai hésité ce soir d'ailleurs, j'ai hésité, mais finalement, je me suis dit j'avais des trucs à faire sur Dokkan. Donc, mais Legends, faut que je continue à m'entraîner un peu sur le mobile parce que c'est pas facile du tout, quoi. J'arrive pas à passer le Goku Rush même après avoir passé un an sur le jeu. Ah, c'est dur, hein. C'est pas si simple, hein. En vrai, Zamasu, j'ai envie de le garder, hein. Il atténue les attaques de 40%. Hein. En vrai, je vais le garder, Zamasu. Je suis obligé de le garder, non? Des fois, Matt. Attends-moi après si tu veux jouer. Mais des fois, quand je joue Sona, c'est ça? Pas quand je joue Blitz? Ah, après, je rejoue Blitz. Parce que franchement, on n'a pas eu de chance. En vrai, on n'a pas eu de chance. On n'a vraiment pas eu de chance sur la game où j'ai joué Blitz. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais prends un hyper carry, quoi. Pas un Jhin. Dégage, Zamasu MDR. Végéto en premier. Ouais, mais les gars. Je suis plus sous C8 là en plus, non? En vrai, Zamasu, il atténue de 40%, les gars, quand même. Sur le bon type. Plus débuff Zamasu. Ouais, il débuff pas, mais il tank, non, un peu. Lolobio, merci hein, pour la donation. Hein. Merci à toi, du coup, t'es trop fort, Pelosama. Merci, Lolobilo. Merci à toi, Lolobilou. Tu régales de ouf. Mon don, t'inquiète, je l'ai vu, Lolo. T'inquiète pas, je l'ai vu, avec un peu de retard, mais il est passé. Non, non, je l'ai pas raté, vous inquiétez pas. Je l'ai pas raté. Je me permettrai pas. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ah bon, Hakim? C'est peut-être ma voix alors qu'elle a changé. Ah, peut-être, je suis pas bien. Hein. Tu stream du LOL. Ça fait un moment, j'en ai pas stream, Gwen. Ça fait un moment. Zamasu en deuxième? Ouais, mais. Non, non, non. Zamasu, pas deuxième. Hein. Non, ça va, je suis pas fatigué, non. T'as vu, Yekay, il a plus de 600 euros de donation. Non, j'ai pas vu. Bah putain, 600 euros, sérieux, il a eu. Ouah, incroyable. 600 boulasses? Ouah, c'est abusé. Bah GG, hein. GG à lui, alors. Hein. Gros GG à lui. Mais non, j'ai pas vu, non. Parce que du coup, moi, j'étais sur LOL avant et je mangeais un bout et puis je préparais le live. C'est NH, tu le connais. Alors, de pseudo comme ça, je doute. Après, peut-être que je l'ai croisé, je sais pas, mais je sais pas du tout.
Il va pouvoir payer le resto à l'entre. Ah putain, il s'est mis bien là. Bon, je sais pas quoi faire. Avec 600 euros, il aura plus de chance d'avoir couleur. Non, non, parce que ça, il les reçoit. Ça dépend, il les a eu comment? En super chat ou normal? Non, le gars qui filait des maxi sommes. Enfin, ah, ben je sais pas, je connais pas alors. Non, ouais, je connais pas. Ouais, non, non, je connais pas alors du coup. Après, ceci dit, ça dépend. Si c'est en super chat, il a de la chance. Enfin, c'est stylé, c'est pas stylé parce que déjà, il les reçoit 2 mois après. Et YouTube, ils prennent 30% sur les 600. YouTube, ils se mettent. T'inquiète qu'ils se mettent très très bien, Google. Sachant que, en plus de ça, il y a son network qui doit lui prendre 10% aussi. C'est le gars qui a donné 1000 à Fafa. D'accord, ok. D'accord, ouais, ben non, alors je connais pas. Enfin, j'en ai entendu parler forcément, mais après, je connais pas personnellement. Donne-moi un bon support, s'il te plaît. Un bon support sur quoi, Lolo Bilo? Sur LOL? Il y en a plein, après, tout dépend de ton style. Putain, je sais pas quoi faire, là. Est-ce que je garde Zamasu? Est-ce que je le garde pas? Le truc, c'est qu'il faut que je garde VB, parce que, du coup, on va arriver sur des phases ultra intéressantes. Ah, j'ai toute ma vie, je garde VB, vas-y. J'espère qu'on meurt pas sur cette décision. Ouais, pense au hint. Oui, oui, j'y pense. J'y pense très fort au hint, justement. J'y pense très très fort. Ah, 52 000 en auto-attaque. Ah, s'il m'envoie l'aspect dessus, je suis mort, c'est fini. Si je prends l'aspect sur végétaux, c'est fini. Ah, je fais 0 dégâts. Croise les doigts, Lian. Croise les doigts. Ah, oh, putain. Croise les doigts qu'il n'y ait pas de spé qui partent sur le blue. C'est bon. Let's go. Let's go, let's go. Bon, t'es mangé. Non, non, c'est bon, je suis pas mort. Hein? Ouais, je sais pas, Kim. C'est possible, hein, c'est possible. Bon, du coup, ça va, tranquille. On va manger l'aspect sur Rosé ou sur Zamasu. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, du coup, pour la team Divin. Qui s'envole, qui continue son petit bout de chemin. Et qui va aller faire bobo. D'accord, Antonin. Après l'aspect, il y a 8 attaques où il ne spé plus. D'accord. Bah, en vrai, c'est intéressant à savoir aussi. Ah, il attaque 2 fois avant de mourir, quand même. Ah, il attaque 2 fois avant de mourir, là. Sur Dokkan, un support. Il y en a plein des supports. Après, ça dépend des teams. Il y a des supports pour telle ou telle team, quoi. Ah, non. Je sais pas quoi faire. Ah, je suis dans la merde, là. Je t'en sers encore de Utip. Non, j'avoue que Utip, non, plus du tout. C'est vrai que Utip, plus du tout. C'est vrai que j'en fais plus la... J'en fais plus la... La publicité. Le plateau est horrible. Ah, je suis dégoûté. J'avoue, le plateau, là, j'ai pas compris. Vegeta en premier. Ouais, mais Vegeta, t'as son... Non, mais je suis obligé de faire un truc parce que... Quoi qu'il arrive, j'ai que 90 000 de défense. Je prends une attaque spé, c'est fini. Surtout que je pars pas en spé. Il y a 4 attaques. Je peux pas partir en spé. Pire plateau. Ah, j'ai pas de chance là. Après, on me dit que j'ai tout le temps de la chance. Mais alors là, je vais devoir claquer un fantôme portier. Hein. Ou Whis. Si je claque un Whis et qu'on change de phase, il est toujours actif ou pas le Whis? Parce qu'à la rigueur. Non, non, je mets pas Migaté en premier. Non. Goku il esquive. Ouais, non, 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 mais faut pas que je le garde. Je peux pas casser cette rotation. Fantôme en vrai. Non, fantôme, je peux les garder encore, je pense. Non, il est plus actif. Ah ouais? Ah putain. Ah putain. Ah, c'est dramatique là. C'est archi dramatique. No item. Non, no item, je peux pas, les gars. C'est hors de question. Je peux pas la tenter, la cascade. Je peux pas la tenter, c'est mort. Je peux pas. Non, non, je prends zéro risque. Tu régènes. Non, mais même si je régène, je vais manger un 400 000 ou un truc comme ça. Je pars au fin fond de l'océan, quoi. Donc, non. Non, 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 non. Je vais régène tranquille avec un ghost. Tu sais quoi? J'ai encore pas mal d'items de côté. On prend pas de risque. On arrive sur la dernière phase. On reste professionnel jusqu'au bout. C'est dommage l'item là, quoi. Je suis d'accord, c'est dommage. Je suis d'accord. Mais on a encore un fantôme portier de côté, donc tout va bien. Elles sont pas mal, Gael, mais il y en aura d'autres. Je vais essayer de voir si je peux pas améliorer tout ça. Oh, alors là. Oh, alors là, quoi qu'il arrive, on va se régaler.
236 000. Ouais. Ok. Bon, quoi qu'il arrive, là, on va se régaler. Je vais faire pipi et on attaque la dernière phase. J'arrive de suite. Je vais jeter ma bouteille aussi parce qu'elle commence à m'embêter. On va se faire la dernière phase. Garde les deux Indes, wesh. Pas besoin de garder les deux Indes. Rosé, il va tanker, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Vir Black. Absolument pas, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. On en était où là? Où en étions-nous les enfants? Oui, effectivement, je pense que nous en étions ici. Et je pense que par ici, ça peut faire mal. Ah bah c'est important, Eman. Ah, je mange l'aspect d'entrée de jeu comme ça, j'ai pas pu stack. Oh putain, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ah, y'a un sub, Larson. Merci Larson. Oh, 255 000, Larson. Larson Jev, merci pour le sub. Merci, merci. Est-ce que c'est le fameux Larson, le fameux, le seul et l'unique, celui que l'on retrouve sur Twitch aussi? Est-il le même? Mais merci Larson. Je t'ai dit de garder les Indes. Ouais, mais quoi qu'il arrive, j'aurais pris cher en fait. Quoi qu'il arrive, j'aurais pris cher, donc... tranquille. C'est Larson de Twitch, on reconnaît. À ton avis, mec. Évidemment, c'est lui. Le fameux. Merci Larson, là, du coup, pour le sub. Ah, putain, il esquive mon attaque spé. Ah, par contre, ça me fait pas plus... Pardon, il esquive toutes mes attaques, là? C'est une blague ou je rêve? Non. Salut, encore un super live. Ah, oh, putain, j'ai pas eu le temps de lire jusqu'au bout le message. Je suis désolé. Ah, il m'a esquivé toutes mes attaques. Toutes les attaques critiques, il les a esquivées. Ah, oh, je suis dégoûté. Merci à Larson encore. Ça va et toi? Tranquille, en forme. Geta aurait pris même pas 100k en SP. C'est pas grave. C'est un choix que nous avons pris. Un choix. Des fois, il faut savoir prendre des choix qui sont durs, qui sont pas simples, mais qui peuvent faire la différence. Et Zamasu, tu... Zamasu, je vais quand même me soigner et te mettre une petite ébille en plus de ta réduction de dégâts parce que il y a peut-être moyen que tu prennes cher là-dessus. Oh, et Kevin Andonné aussi qui vient offrir le sub. Oh là là, vous êtes nombreux en sub là-haut, qu'est-ce qui se passe là? Merci hein, merci les gars. Merci hein, merci, 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 merci. Vous êtes des monstres. N'oublie pas les whis où tu vas d'ailleurs. Non mais tranquille, là on est bien là. Là on est bien. Petit whis, pas besoin de whis là. Là on a une ébille. On a Zamasu un petit peu, tout si tout ça, ça va le faire. Bah merci hein, du coup pour les subs, Larson et pareil Kevin. Hein. Également, hein, merci à toi. Yo Kellyanne. Yo yo yo. Yo 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 yo. Allez c'est parti, la bagarre. Comment ça se fait que ton rosé il tank, le mien il prend cher à chaque fois? Ah putain, il esquive mon attaque encore. Non mais il y en a marre de ces conneries là. Oh, tu veux pas en manger juste une seule? Ça serait cool. Du bon type, bien évidemment. Ah, 16 000, tu vois, le Goku, il a pris. Non, tu peux pas, Larson, ici. Ça marche pas pareil, ouais. Tu peux pas offrir des subs aux gens, ouais, sur YouTube. D'ailleurs, c'est dommage, ça. C'est dommage. Mais ça marche pas, ouais, par ici. Ici, t'as que le super chat qui est les donations directes
Sur le super chat en fait, mais ça offre pas aux gens en fait les avantages. C'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil. C'est direct une donation, un peu comme les bits en fait sur Twitch. Oula. Eh ben, c'est à partir d'ici qu'on va commencer à claquer du oui, ça. Je pense, hein. En vrai, si je fais ça comme ça, sachant qu'on est sous WIS, est-ce que c'est pas... Ah mais je peux pas, je pars pas en SP. Enfin, je peux, mais je pars pas en SP quand même, quoi. Item pas... Si, j'ai ulti. Végéto en premier, hein. Végéto en premier, c'est pas mal, parce qu'on est sous WIS. Le truc, c'est que je pars pas en SP avec Végéto, les gars. Donc, à votre avis, je le mets en deuxième, non ? Item inutile. Pas si inutile que ça, en vrai. T'as combien de dev pour oser ? Là, on est à 267 000. Tu as laissé la rediff ? Ouais, si vous voulez, ouais, pas de soucis, ouais, carrément. Non, Végéto, quand même. Végéto, quand même, en premier, c'est chaud, hein. Ah, je pense, ouais, je vais le foutre. Ouais, j'avoue, c'est contre, il se rend meilleur avec l'autre à côté. Non, non, on va faire ça comme ça. Non, mais pas besoin d'item, vous m'avez dit, mais en vrai, si, si. Enfin, c'était pas obligatoire, mais... je tenais à l'utiliser quand même. Non, Rosé, c'était mieux. Non, mais ça va, Rosé, c'est bien aussi, là. De toute façon, Rosé, là, il va augmenter encore sa défense. Donc, on est sûr de vraiment manger zéro dégâts dans ce tour. Petit 900 000 qui fait plaisir. Parfait. C'était du Naruto, Stéphane. Là, c'est que du Naruto. Prochain live, je sub, c'est du trop bon contenu. Ben merci Infinity, hein, merci. Hein. Larson, au fait, toi, comment ça va, tes études ? Enfin, tes études, ton... C'était quoi ? C'était pas un stage, c'était un apprentissage, ouais, c'est ça, apprentissage... En pharmacie, si je me trompe pas. Ta première vidéo, c'était du Happy Wars, c'était il y a 7 ans. C'était en 2012, donc c'était... ouais, ça remonte. C'était à ça remonte. Ah non, c'est Fairy Tail ça, non ? Ah oui, non, là, ça a changé de... Putain, change-moi ça, parce qu'on va manger des droits d'auteur. Je pourrais pas laisser la rediff. Ah ouais, non, c'est dangereux, là. Pourquoi ils m'ont mis du Fairy Tail comme ça, là ? Ah oui, non, ça, c'était Fairy Tail. J'ai reconnu direct. En fait, je me suis dit, putain, c'est pas Naruto. Il y a un truc qui a changé. Et tu le vis que, en plus, la playlist, elle veut pas se relancer de Naruto ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Elle veut plus se relancer. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça veut pas se relancer ? Please ! Plus de musique, ça y est. Je comprends pas. Bon, pas de musique. On va attendre. Je laisse charger, voir si ça se lance. Ça va, tranquille, je suis épuisé cette semaine. J'ai fait 45... Wouah, 45 heures, ah ouais. Ah, c'est de l'esclavage, là. Là, c'est de l'esclavage. C'est plus possible. On est sous WIS, hein ? Ouais, on est sous WIS. On est sous Wiz, donc du coup je peux mettre Végéta en premier quoi qu'il arrive. Bon, Goku, tu vas pas faire beaucoup de dégâts dans ce tour, mais j'ai pas trop le choix malheureusement. Nia. Ah, c'est pour ça, Larson. C'est pour ça. Oh, ça va en ce moment avec le coronavirus, vous avez pas plus de patients et tout en pharmacie ? Ça doit être un bordel en vrai. Même si encore en France on est tranquille sur ça, mais j'imagine que les personnes âgées ou quoi, elles s'affolent un peu. Ou les mères de famille là. Ouais. Les OST de Naruto sont 100 fois mieux. Que celles de Fairy Tail ? Je dirais pas 100 fois mieux quand même. Parce que celles de Fairy Tail sont pas mal. Après, il est vrai que celles de Naruto, ça reste Naruto. J'ai jamais eu autant de monde, JPP. Ah ouais, bah ouais, c'était sûr. C'était sûr. C'était obligé. Oh ! Je mange l'aspect. On est sous Whis, ça, tout va bien. On est sous Whis, donc tout va bien. Oui, tout va bien. J'ai dit tout va bien. 25 000. Ah ouais, j'avoue que peut-être Vegeta, faudrait le garder alors. Hein. C'est la folie. Tu m'étonnes. Attends, hop. Et là, vous allez me dire que le oui, c'est encore inutile, les amis.
En vrai, j'en ai pas trop l'utilité. Oh, merde. Surtout, ne pars pas. Ne pars. Surtout pas. En Dokkan mode, Lilian. Mais alors, surtout pas. Est-ce que j'ai besoin de me soigner ou pas, là? Ghost. Tu crois que je ghost, là? Pourquoi tu n'utilises pas l'aptitude de Zamasu? Parce qu'en fait, il perd son truc de défense, là. Il perd les 40% de défense. Ah, c'est dur, à l'alternance, en vrai. C'est grave dur, hein. Enfin, cours plus boulot, c'est relou, quoi. Surtout si tu fais 45 heures. Hein. Non, non, il n'y a pas besoin de ghost, en vrai. Là, je passe comme ça, normalement. Hein. Nos items, ça passe comme papa normalement. Bien vu, Anthony. Ouais, normalement, ça passe tranquille. En vrai, ce qui serait encore plus génial, c'est qu'il envoie l'aspect sur Rosé. Comme ça, on est tranquille et on n'en parle plus. Ça va le faire, à part si c'est Zamasu qui prend l'aspect. J'avoue que si Zamasu, il prend l'aspect, on risque d'avoir mal. D'avoir même très, très mal. Par contre, la double spé qui fait plaisir de Rosé. Incroyable. T'aurais dû mettre VB en premier pour les contres. Ouais, mais je voulais être sûr, parce que là, j'ai pas d'item. Je voulais être sûr de vraiment bien tanker. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième. C'est pour ça. Ah, par contre... Bon, il m'esquive tout. Allez, les contres en critique, s'il te plaît. Un contre en critique, juste un seul. Non, s'il te plaît, en critique, juste un seul. Qu'est-ce qui se lance, là? Putain, il m'en fait pas un seul en critique. Il est 100%, il m'en fait pas un en critique. C'est un truc de fou. Pardon? Ah oui, non, 63 000, ouais, c'était sur Zamasu. Je crois que c'était le Blue qui prenait ça. J'étais en train de me dire, oh non, c'est la fin des haricots. Mais non, en vrai, ça va. Ah, le plateau, il est dégueulasse. Ah, le plateau, je pars en Dokkan mode, en plus, il est dégueulasse. Ah, le plateau. Je suis obligé de partir comme ça, limite, plus que comme ça. Je sais pas c'est quoi le plus rentable, là. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 de mauvaise couleur, et là, c'est 2 de bonne couleur. Attends. Ouais, vaut mieux que je parte sur les 7. Vaut mieux que je parte sur les 7 ici. L'équipe bleue, t'es sérieux? Ouais, non, non, mais je regardais parce qu'en fait, je sais qu'en fait, il prend des pourcentages par rapport à toute l'équipe, par rapport à n'importe quelle boule, mais aussi par rapport aux boules de couleur. Donc c'est pour ça, je regardais. Wesh. Wesh, wesh, Ryan. Ça va quoi? Par contre... Bon, ça va, Vegeta, t'es bien. Est-ce que je le tue là-dessus ou pas? Parce que Migater, à tout moment, si je prends l'aspect sur lui, je pars en enfer. Hein. Ghost, maintenant. Ouais. Je pense que ouais. Je pense que ouais. Je pense que Ghost et prochain tour, on le termine. Il est mort. Bon, on s'en fout. Au pire, j'ai masse Ghost de côté, donc... Merde, oh, j'ai cliqué sur la mauvaise sphère de ki. Mais bon, c'est pas grave. Les figurines pop sont tombées. Ouais, il y en a, c'est Erza, elle arrête pas de tomber, elle est chiante. Erza et Shoto, ils tiennent pas. Allez, go. Normalement, Goku là-dessus, même sans doublon, c'est terminé normalement. Ah, quoique, ah non, ah non, 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 attends, il a 3 barres de santé quand même. Ah, je me suis un peu avancé. Mais ceci dit, on va quand même peut-être mettre un 2-3 millions. Migate prend 400k en spé et le reste 0, donc tu survives. Ouais. Je m'attendais à un poil plus, tu vois. 3 barres, ça passe. Ouais, non, non, ça tue pas, ça tue pas. C'est solide, hein. C'est solide de ouf. Ah, c'était vide, Ryan, la salle de sport. Mais c'est trop bien d'y aller le soir. C'est vraiment trop, trop bien. On est quand même 500 à regarder le live à 2h du mat. Oui, c'est vrai, vous êtes super nombreux. Hein. Merci à vous, d'ailleurs. Ah bah c'est là-dessus que nous allons terminer, les enfants. 315 000 de défense. Bah, du coup, on dit, hein, tranquille, hein. Tranquille. Oh, j'aurais dû mettre Vegeto Blue en premier. Fini avec VB. Ouais, c'est vrai que j'ai été con. J'aurais dû mettre VB en premier. Non, j'avoue, j'aurais dû mettre VB en premier. Là, j'avoue, j'ai... Oh putain, je pars pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'aurais dû mettre VB en premier. C'est pas grave. Allez, Rosé, parce qu'il nous a été super utile quand même dans le run. J'ai envie d'éternuer. Ah, c'est passé finalement. Pourquoi ta spell est longue, toi? Ok. Oh, oh, Larsan, les 25 euros. Ça fait 5 subs sur Twitch, ça. Ouais, c'est ça. Ben, 25. Ouais, c'est ça. Ça fait 5 subs, ouais. C'est ça, Larsan.
Let's go ça. Merci Larson. Tu régales. Tu régales de ouf. Merci pour la donation. Bien vu, bien vu. Tu gardes tous les tickets, coucou Rush. Non, 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 on les invoque à chaque fin de live. En vrai, j'ai cru au karma. Tu pensais que j'allais mourir ou quoi, Infinity, là? Vraiment, t'as cru que j'allais mourir sur ce tour? Vraiment? T'as eu une pensée aussi négative que ça? Jamais de la vie. Je t'avais dit qu'on allait la gagner pour toi, en plus, Infinity. Je te l'avais dit. T'inquiète même pas. On est allé la chercher. J'arrive à la fin. Ouais, ben, bien vu, Arion. C'est quoi ton nouveau tel, Lilian? Est-ce que t'as testé des belles légendes dessus? Ouais, c'est un Xiaomi Redmi Note 8, du coup. Et non, non, il marche très bien. D'ailleurs, il est grave beau. J'aime bien. Après, vous voyez pas bien les couleurs, vous, comme ça, mais il est grave beau. Mais oui, Legends tourne très, très, très bien dessus. Il y a aucun souci, quoi. Vraiment. Et t'inquiète, bro, toujours là. Non, mais merci, c'est gentil, quand même. T'es un monstre. Ah, on a récupéré des DS aussi. On a récupéré 5 DS, tiens. J'avais pas vu. Allez, les gars, on va aller faire les tickets, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y avait le truc... Ah mais oui, c'est le nouveau jour de connexion. Bah ouais, vas-y. S'il te plaît, j'ai jamais eu Bou. Vas-y, j'ai jamais Bou, il est jamais là, Bou. J'ai jamais eu super chanceux, là. Pff, ah, ça me saoule, vas-y. Oh, ça fait 10 jours on a ça, j'ai eu que des chanceux, quoi. Merde. Ah, ça m'a saoulé, ça aussi. Moi aussi, je veux des super chanceux. Hein. C'est vrai que ça faisait un petit moment, Larson, ouais. Bah avec le boulot et tout, je comprends aussi en même temps. T'inquiète, hein. T'inquiète, t'inquiète, hein. Après, tu... T'as quoi? T'as le droit des vacances cette année ou pas? En tant que... Parce que je sais qu'en tant qu'alternant, t'as pas les vacances d'été. Ouais, non, mais j'imagine, hein, j'imagine, t'inquiète. Allez, on va aller faire les tickets, du coup. Bon, en soi, les tickets, nous, jusqu'ici, nous ont bien porté bonheur. Moi, j'ai le Xiaomi Redmi Note 9. Il est sorti le 9? Ouais, c'est possible, alors. Moi, c'est le 8 que j'ai pris, mais c'est juste pour faire tourner les jeux et il tourne très bien. Avec le clébard, j'ai eu le craquage d'écran, j'ai chopé Ultra Super Lucky à la connexion du samedi matin. Putain, GG Zafir. GG ça. Saphir, pardon, excuse-moi. J'ai dit Zafir, mais excuse-moi. Yes, j'ai les 5 semaines dans l'année. Ouais, c'est ça, t'as 5 semaines. Ouais, c'est dur, hein. Allez, c'est parti. Invocation avec l'OST de la mort. Allez, let's go. Ah, y a trop de monde, y a trop de monde. Virus, il a aucun rapport avec Tenshian et Krillin. Mais c'est pas grave, la dernière fois on avait eu, je sais pas, une animation dégueulasse et pourtant on avait eu du lourd dans la multi. Ce qui nous avait permis d'avoir 200% du coup. Ah, sérieux, Larson? Mais si tu veux qu'on se capte prendre un verre, tu me dis, hein. Avec grand plaisir, hein. Tu me dis avec grand plaisir. J'espère que tu passeras quand il fera beau. Parce qu'en ce moment là, niveau pluie, c'est. Enfin, niveau temps à Toulouse là, depuis quelques jours, c'est la merde. Et le 17, Toulouse, puis Londres, j'ai posé. Tu vas à Londres... Ah, attends, Larson, tu vas à Londres quand, exactement? Tu vas quand à Londres? Tu sais que c'est archi rigolo. Tu vas quand? Tu vas le combien? Ouais, t'as full Goku dans la multi. Ouais, je sais, mais on peut avoir du SSR. Pourquoi t'as changé de tel? Non, j'ai toujours l'iPhone. Il est là, l'iPhone, il est là. Ah, tu parles le 17? Ça tombe bien, je parle le 19, Larson. Je parle le 19, perso. Le 19, mais c'est petit, c'est jusqu'au 23, moi. Allez, go! Dernière multi-invocation, faut y croire. Let's go. Oh, personne pour m'accompagner jusqu'au dimanche d'après. Ouais, nous, c'est jusqu'au lundi, c'est vraiment un gros week-end, quoi, on va dire. Mais je pars à cette période-là aussi, Larson. Hein? Donc, si tu veux qu'on se capte là-bas aussi, il n'y aura pas de soucis. Hein? Je serai avec Vivi. Je serai avec Vivi, du coup, et Emmanuel, mon meilleur pote. Moi jusqu'au 22. Ah, mais tu restes. Ah, tu fais le jeu. Ah, ouais, en gros, tu fais le. Ouais, ok, jusqu'au 22. Ben, moi, du coup, le 23. Ouais. Ok, je croyais que tu restais jusqu'au dimanche d'après. Hein. Ah, ben, quasiment les mêmes dates. Si ce n'est que tu pars 2 jours plus tôt et que tu rentres un jour plus tôt. Nice, bien vu. Bon, on n'a rien eu sur les tickets. Malheureusement, on n'a rien eu sur les tickets. On n'a vraiment rien eu. Mais ouais, si tu passes à Toulouse la semaine prochaine, Larson, tu me dis, on ira prendre un verre ou quoi. Tu me contactes sur Twitter, par exemple, ou Snap. Si t'as pas le même pseudo, tu me précises et comme ça, c'est cool. T'as des conseils pour devenir fort sur Dokkan Battle? Avoir des bons personnages, créer des bonnes teams après, bah avec des bons leaders, évidemment, et puis c'est tout, quoi. Multi-alerte et chiche. Y a pas de multi-alerte. Ah, ça là, non, je fais pas de multi, là. Hors de question. Par contre, si vous voulez, on peut se faire... on peut se faire une single du désespoir. Qui ça, Payman? On se fait une single du désespoir, si vous voulez, à la rigueur, là-dessus, mais c'est tout, je n'irai pas plus loin.
Allez, la petite single de la gourmandise. Piccolo. Piccolo, piccolo, piccolo. Spammer multi. Non, mais tu peux spammer multi. T'inquiète que je la fais pas, la multi. Tu peux être sûr et certain, je la fais pas. Hein, et ben voilà. Il nous manquait Gohan avec Piccolo et puis il apparaît ici. Bah tiens, en plus, il me ressemble celui-là. C'est, voilà, ça, c'est le Gohan Lilian, ça. C'est Golian. C'est Golian. C'est notre fusion à nous deux. Jamais un sans deux. Non, mais vas-y, allez, jamais un sans deux pour être à 300 DS. Allez, vas-y, c'est parti. Mais c'est tout, pas plus bas. Après, on sera à 299. J'aime pas 299. Ouais, bon, Trunks, Yamcha, ok, j'aurais pas dû. Ok. Ouais, Golian, ça passe bien, Golian. Bra. De quoi Ouais, je sais pas, Larson, peut-être qui parlait de toi, je sais pas, en tant que rappeur. Hein. Bon, Kulilin. Bon, dommage, on n'a rien eu, c'est pas grave. Bon, ceci dit, on a quand même réussi deux Goku Rush, ça fait zizir. Du coup, il nous en manquait 7, il nous en manque maintenant plus que 5. Est-ce que vous voulez qu'on regarde juste les teams qu'on peut faire? Je sais qu'il y avait Transfo Fortifiante. Je vais juste aller voir qu'est-ce qu'on peut faire en transformation fortifiante de mon côté. Mais je crois pas que je puisse le faire. Transfo fortifiante. Attends, mais je suis dans quoi? Ah, mais oui, je suis pas dans le créateur d'équipe, ok. Je me disais, c'est bizarre. Divin, du coup, ça dégage. Oh, il y a du beau monde en vrai! J'ai pas de doublon sur lui par contre. Hein. Attaque et défense 80% si les conditions sont remplies, provoque transformation. Ça va, défense 80% en vrai, ça va, pas mal. Je l'ai jamais joué d'ailleurs, le super bout. Trunks MF en leader. Trunks MF, multiforme. Et je l'ai pas, Trunks multiforme. Mais non, transformation fortifiante, ça peut pas être Trunks, c'est pas possible. À quand la vidéo sur Nanatsu? Ben, le 3 mars, comme tout le monde. C'est ma page où il y a écrit rap, j'avais pas capté. Sérieux, tu fais du rap, Larson? Goku Black. Ben ouais, déjà on a vu qu'il stack, donc déjà ouais, carrément. Gohan. Gohan LR. Vegeta. Ah putain, en vrai, il y a des sacrées bonnes unités. À tout hasard, toi, tu fais quoi, toi? Un fils des dégâts augmente fortement la défense. Ben, Cell. Cell LR. Cell LR impérativement. Lui, il fait quoi? Ah, si, ça peut le faire en vrai. T'es pas obligé de mettre Bou comme leader. Ah bon? Et tu veux que je mette qui là en leader du coup? Ah, y'a Janemba aussi. Janemba il tank sur tout le monde, non? Ah ouais, Janemba. Hein. Janemba les gars. Janemba en vrai. Hein. Gohan LR leader. Ah, tu veux que je fasse du Kamehameha? Mets Gohan LR en leader, ensuite tu mets Cell LR avec Black Ink, Vegeta. Ouais, à la rigueur, je peux tenter un truc Kamehameha comme ça. C'est un Kamehameha, lui? Ouais, c'est un Kamehameha. Ouais, Kamehameha, du coup, parfait. Ah ouais, mais lui, il est pas Kamehameha. Bah non. Et non. Non, ça. Du coup, je mets pas lui, alors. Et je mets qui d'autre dans l'histoire, là? Y'a qui? Goku? Le leader Bou MF, faut l'enlever, il se fait ouvrir. Ok. Cell puissance. Il fait quoi déjà le cell puissance? Il stack à l'infini aussi? Je me souviens plus le cell puits. Attends, déjà il est où mon cell puits? Ah, il est là. Ah, augmenter l'attaque et la défense. Ouais, exact. Exact. Gogeta Blue. Ouais, Gogeta Blue, ça peut être bien. Mais Ouais. Broly LR. Oh là, Broly LR. Ouais, non. Trop dangereux. Non, le CL pue attaque et défense à l'infini. Ouais, de ouf. Ouais, en plus, c'est un Kamehameha, donc c'est parfait. Janemba, Int, ZTUR. Ouais, mais non, c'est pas un Kamehameha. Cell. Ouais, mais non, Cell, on l'a déjà. Goku MF. Ouais, Goku MF. Goku MF. Ouais. Goku MF, et il me faut un dernier dans l'histoire. Ah, lui, je crois pas, il est pas Kamehameha. Hein. Ouais, non, il est pas quand même. Après, il a le leader agi, mais c'est tout, quoi. Vegeta bleu. Man. Pff. Ah, augmente fortement la défense aussi. Ouais. Après.
Golden en rotation. Golden? Golden, il fait pas du Kamehameha. Voilà, en dernier, je regarde ce qui est faisable. Ouais, non. Attends, et en fusion? Attends, parce que lui, attends, en fusion à tout hasard? Ouais. Ouais, non, putain, il a pas de truc. Ok. Goku divin, int. Non, 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 il va se faire casser en deux. Migaté, il se fait casser en deux, les gars. Vous l'avez vu, hein, sur le run, c'était pas ouf, hein. Majoub. Ouais, mais non, c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf non plus, en vrai. Tu aurais une technique pour farm masse DS, s'il te plaît. Alors, Blood, malheureusement, il n'y a pas, si ce n'est les bonus de connexion, si ce n'est les différents events. C'est tout. Buan, il fait quoi? Non, il réduit. Ouais, augmente de 10%, ouais. Ouais, Buan, ça peut être pas mal, en vrai. Ça peut être pas mal. Après, en vrai, ça peut être une option. Après, le truc, c'est que... Ouais. Bon, si, en vrai, ça peut être pas mal. Vegeta Blue, oui, aussi. Pas de Buan. Buan peut être fort, hein. Buan peut être très, très fort, hein. Il y a l'autre bout. Lequel? Gogeta Blue pour le leader super agile. Ça peut le faire. Même sans leader, il tank. Qui ça? Après, lui, il a 10% de défense en plus à chaque sphère de ki récupéré. Ce qui est pas mal. Même s'il a pas de défense de base, il est vrai. Sinon, Vegeta. Hein. Vegeta, on s'emmerde pas. Et puis, comme ça, on récupère la défense. Puis, basta. Hein. Golden Tech. Oui, Golden Tech qui rentre en Kamehameha, évidemment. Golden Tech en Kamehameha, ouais. Golden Tech pour tank. Mais non, mais les gars. Bah, Fubuki, parce qu'en ce moment, il en fait pas, tout simplement. Ah, il esquive pas tout le temps Gogeta Blue. Bon, mais après, c'est vrai que Gogeta Blue, ça peut être bien. Gogeta Blue, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal aussi. Golden Tech rentre pas, mais même sans leader, il tank. Oui, je suis d'accord. Mais bon, ça fait un peu vache, quoi. En termes de PV, on va perdre des PV et tout ça, donc pour la team. Non, non, je pense qu'il vaudra mieux mettre Vegeta ou Gogeta. Monsieur Satan. Eh, tu m'emmerdes avec ton Satan, toi, oh. Et quel Satan, en plus, il n'y en a pas. Il diminue. Toi. Transformation. Bon, en vrai, il n'y a pas 36 000 solutions, de toute façon. Vegeta car 100%. Après, ouais, bah lui, il est pas 100%, mais presque. C'est tout comme, il est 90%, quoi. C'est l'air tech. Non, 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 non. C'est l'air tech. Ah, lui. Ouais, mais non. Non, non. Il va se faire casser en deux, lui. Non, non, mais il n'y en a pas, Elwan. J'ai pas vérifié pour ça. Non, non. Je tournais pour réfléchir, en fait. VB tech. VB tech. Il n'y a pas VB tech en transformation fortifiante, les gars. Prends le boom multi, c'est un Kamehameha. Oui, c'est un Kamehameha, mais bon, apparemment, il se fait casser le cul aussi, donc... Bon, en vrai... Voilà, comme ça. En plus, j'ai pas de doublon dessus. Hein. Bref, mais ça sera pour la prochaine fois, de toute façon. Hein. Ça sera la première team pour la prochaine fois. Je sais pas si on fera demain ou plus tard dans la semaine. On le virera peut-être, le super boot, c'est quoi. Bukolo, il est... Ouais, faut voir. Mets son arbre à Boumulti. Oui, je vais voir. Non, il a pas de lien. Ouais, il a pas de lien. Mais je vais mettre son arbre quand même. Après, on verra. Et derrière, on a quoi d'autre? Transformation fortifiante. Saiyan de 100 mêlées. Saiyan de 100 mêlées, les gars. Saiyan de 100 mêlées, je l'ai pas faite. Saiyan de 100 mêlées. Saiyan de 100 mêlées. Alors, attends. Tu dates, Lilian. C'est toi qui dates, Gaudi. Saiyan de 100 mêlées. Tu vas voir. Je sais pas si on a ce qu'il faut pour, mais on va voir. Ah, il y a du monde quand même. Ah, en vrai, ouais, j'avoue, Kamehameha, ça peut se faire aussi, ça aide de s'en mêler en Kamehameha. J'avoue que ça peut être pas mal. J'avoue.
Non, j'ai pas le Guan du Turfu multiforme. Non, 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 j'ai pas. Faudrait le Trunks multiforme. Ah, je l'ai pas le Trunks multiforme. Non, mais en vrai, pareil, si on part en Kamehameha, du coup, en leader. Non, j'en prends un seul, Shisui, t'inquiète. Tu mets Son Gohan enfant. En vrai, si je fais ça. On augmente fortement l'attaque, inflige des dégâts. Non, ça fait chier. Faut que je trouve ceux qui ont de la défense. Bah, lui, il en a. Lui, c'est un Kamehameha. Il est trop bien, le lead de Gohan. Ouais, de ouf, il est super bien, ouais. Ouais, bon, rien du tout. Dégâts immenses. Par contre, il n'y a pas trop de. Il y a qui tank là dans cette histoire? Non, le Gohan enfant, le LR. Gohan enfant, le LR? Qu'est-ce que je fous avec ça? Gohan enfant, le LR, lequel? J'ai le Gohan LR avec deux doublons. Ah, le. Lui là? Ah non, tu parles de Gohan. Ouais, Gohan, non, non, ok, oui. Il se fait éclater Gohan Goten face à Migate. En vrai, tout à l'heure, on l'a joué, ça passe. En vrai, ça passe. Le Endurance. Lui? Il est dégueulasse, lui, en vrai. Enfin, après, je l'espédise, donc bon. J'ai pas Mirai Int. Ah, un ami, Mirai Int. Ouais, ouais. Ouais, mais ça veut dire que moi, du coup, faut que je prenne lui en leader aussi. Goten Pui. Ouais, Goten Pui, c'est une valeur sûre. Hein. C'est vrai que Goten Pui, pour ça, valeur sûre. Lui, on l'a vu, il se fait casser en 10. Même s'il est bon, il se fait casser en 10. Trunks puissance. C'est lequel ? Diminue fortement. C'est lequel qui tank? Ah, c'est lui, je crois, non? Ah, c'est lui. Ouais, lui, il tank de ouf. En plus, il est bon, lui. 80%, pas mal. Ouais, j'avoue. Gohan puis ZTUR. Ouais, mais Gohan puis ZTUR, il tank pas. Ah, quoique, 77% au début du tour. Ouais, ouais. Prends Lilounette. Ouais, Lilounette, oui, oui, évidemment, oui. Évidemment. Le petit Trunks agit. Le petit Trunks agit. Lui, il fait quoi? Augmente la défense. Ah, j'avoue. Augmente la défense. Ouais, mais c'est pas un peu chaud de jouer avec lui, quand même? Non? Je sais pas. T'as fait un truc chelou sur les doublons et le potentiel du Trunks puissance. Ah ouais, j'ai fait quoi? Tu joues depuis combien de temps? Depuis longtemps. Gohan Int ZTUR. Gohan Int ZTUR. Ah, lui. Non. Non, pas du tout, non. Pas du tout. Non, il est pas mal le Trunks. Ouais, bon, bah, après, il peut le faire. Hein. Prends le Goten enfant, il est 100% niveau 130. Le Goten enfant niveau 130? Bah, j'ai lui qui est niveau 140. Il est étourdi. Ouais, ouais, non, non, mais les étourdissements, ça marche pas. Mirai Gohan End. Bon, il augmente la défense pendant un tour. À chaque début de tour, dégâts encaissés, moins 10%, max 50%. Ah, j'avoue. J'avoue qu'en vrai, il peut être pas mal. J'ai un doublon dessus. Hein. Celui à droite de Trunks. De Trunks Int, 100%. À droite, le Trunks Int? Je m'en sais pas. Ouais. Gotenks end 100%. Ouais, mais non, déjà il est pas 100% et puis il va pas tanker. La pan support peut vraiment aider. Elle est où pan? Ah oui. Ouais, les SP10, hein. Ouais, grande chance. Ouais. Non, le bloc de SP1 d'SSJ. Saint Goten, 100% niveau 130. Ouais, je sais pas duquel vous parlez, niveau 130, mais vous avez pété un plomb pour certains. Elle heal et elle a la garde activée. Alors, c'est grande chance d'avoir la garde activée. Gun ultime, puis. Non, non, non. Soit je mets Pan, soit je mets lui. En dessous du Gohan niveau 100. En dessous du Gohan niveau 100. Lui là? Oh, je sais pas de qui vous parlez. Hein. Gohan puis en leader. Non, mais non, non, on a le leader Kamehameha déjà.
Mets le Mirai Gohan. Ouais, tu sais quoi, Mirai Gohan. Voilà. Parce que du coup, pour la dernière phase, on aura de l'endurance au moins. Non, non, comme ça, bah, du coup, on aura 7 teams. Ça sera pour le Saint Mêlé. Et elle est où l'autre? Et celle-là, du coup, pour transformation fortifiante. C'est très bien comme ça. C'est très bien en vrai. Normalement, ça passera large. Enfin, j'espère. Trunks n'est pas Kamehameha. Ah, il est pas Kamehameha, Trunks? Pardon? Et pourquoi on l'a pris alors? Comment ça se fait, il est pas Kamehameha? Et on... Ah bah oui, forcément qu'il est pas Kamehameha. Eh ouais, pourquoi on l'a pris? J'avoue, on peut pas le prendre, vu qu'il est pas Kamehameha. Eh oui, Trunks. Eh oui, et lui aussi, en fait. Ah ouais, y'a rien qui va, en fait. C'est pas un Kamehameha. Bah ouais. Eh ouais, ouais, non mais ouais, même lui, hein, même lui, il est pas Kamehameha. Donc au final, ouais, non, on a fait n'importe quoi, hein. On a fait n'imp là en vrai. Trunks est super agile. Ouais, mais ça compte pas. Il faut. Et en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que c'est cool. Il est agilité, donc il est lead par mon leader. C'est super bien. Mais le problème, c'est que pour réussir le défi, il faut 6 personnages. Ah non, mais c'est Saiyan sans mêlée. Ah bah oui, non, c'est bon, il passe. Oui, non, autant pour moi. Non, autant pour moi, autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. Non, mais comme ça, ça passe, c'est juste le Trunks, je suis obligé de l'enlever, le Trunks puissance. Faut que tu mettes Gohan ultime puissance en leader, par contre, même s'il se fait ouvrir. Non. Gohan Namek ZTUR. Ah, le Gohan Namek ZTUR, mais il fait quoi? Ouais, non, il va se faire casser en deux. Hein. Le 1 n'est pas Kamehameha. On s'en fout. Ah mais oui, oh y a rien qui va dans cette équipe en fait. Y a rien qui va, donc en fait je suis obligé de prendre le Saiyan sans mêlée leader. Eh ouais. J'avoue, y a rien qui va, je suis obligé de le prendre lui en fait. Même s'il se fait casser en 15. Je suis obligé en fait. Je suis obligé. Non, prends Gohan, Goten LR. En leader c'est quoi déjà son leader? Lien de fratrie ou famille Son Goku? Ah mais non, ça paye pas ça. Essaye un lien de fratrie. Ouais, lien de fratrie, mais... ou famille Son Goku. Donc déjà, bon, on prend lui, famille Son Goku, direct. T'as pas un lien de fratrie, toi, à tout hasard? Lien maître et disciple, évidemment que non, du coup. Bruh. Toi, famille Goku, ça passe. On avait mis qui? Famille Goku. Quand il active sa garde, le Gohan ultime gère plutôt bien, crois-moi, j'ai tout réussi. Ouais, mais voilà, le truc, c'est qu'il faut qu'il active sa garde. Le Son Goten que je te parle est à côté de qui est à 100%. Mais c'est qui est à 100%? Ah, je suis perdu, les gars. Ça y est, vous m'avez perdu, là. Ça y est, vous m'avez perdu de ouf, là. Ah, la fatigue, elle arrive. Vous m'avez perdu, là. Le Son Goten Endurance. Goten Endurance. Ah, lui. Bah oui, mais le truc, c'est qu'il est pas... Bah, il est pas 140. Alors lui c'est un problème, il est pas 140, je peux pas le jouer. Je peux pas, il est 130. Ah ouais, non mais j'avais pas... Ouais mais l'autre il me dit Goten, c'est Gotenks. Tu me dis Gotenks, pas Goten, moi j'étais perdu Goten. Bah ouais, je sais. Je sais, Majin Kaze, il va se faire éclatax lui. Ah je suis obligé de prendre le Gohan Pui, hein. Ouais, je suis obligé quoi. Tu mets le 140, tu peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas. De toute façon, il rentre pas dans la catégorie. En plus. Ouais, je vais être obligé de le prendre, lui. Et en dernier, je sais pas qui prendre, du coup. T'as pas un lien de fratrie, toi, tout hasard? Bah non. Gotenks Halloween. Il fait quoi? Il récupère des PV, non? C'est ça? Ah, il a attaque et défense 30% à chaque sphère de ki obtenu. Le truc, c'est que... Ouais, mais non, il a pas le leader. Gohan SSJ2 intelligence LR.
Non, il se fait casser le cul lui aussi. Hein. Mégone en leader, plus de boost. Ah, c'est quoi? PV défense 170%. Et là? Et là, du coup, on a combien? Attaque 170. Ah ouais, c'est. Ah, en fait, on a plus d'attaque, mais on a moins de défense et tout. Hein. Hmm. J'avoue qu'à la rigueur, vaudrait mieux mettre. Bah, quitte à jouer comme ça, en vrai, vaut mieux que je mette Gohan en leader. Hein. Ouais, en vrai, le mieux, c'est que je mette Gohan en leader, hein, clairement. Je suis obligé de mettre Gohan en leader. Par contre, attends, à la rigueur, si je mets Gohan en leader, je peux mettre lui. Je peux le mettre. Je peux le mettre. Je peux mettre le Trunks aussi, parce que là, on est vraiment sur du sans mêlée, quoi. Donc là, on pourra vraiment faire ça. À la rigueur. On avait mis qui déjà? Tac, tac, tac. Il y avait qui déjà? Mais les Trunks. Ouais, là, je peux le mettre. Là, je peux mettre les Trunks. Là, je peux y aller comme ça. Après, j'ai pas d'endurance dans la team. C'est un peu le problème pour la dernière phase. Pas un LR. Pas un LR, on peut, si, si. Mais à la place de qui? Mirai End, pas le rouge. Comment ça, imagine. Le End? À la place du Trunks rouge. Ah, mais le Trunks rouge, il est bon, hein. Trunks rouge, il tank de 40% quand même. Enlève le Trunks Agi. Non, il est bon, le Trunks Agi. Regardez, en fait, déjà, il augmente sa défense. À chaque fois qu'il envoie une attaque speed, il augmente sa défense. Donc, à la fin, il a moyen d'être super intéressant. Et regardez, attaque et défense 70% aussi en passif. Attaque plus 7% et chance de coup critique plus 7% à chaque attaque portée. Sachant que attaque supplémentaire garantie si 3 sphères de ki ou plus sont obtenues. Deuxième attaque supplémentaire garantie. Donc, non, en vrai, il a moyen de d'être intéressant, en vrai. Le Goten Pui, il fait quoi? Il a de la def. Il a de la def et il change. Il augmente sa défense sur l'attaque SP pendant 3 tours de 30%. Et en plus de ça, ouais, il a attaque et défense 70% en passif aussi. Donc en vrai, il est pas mal. Juste prends Mirai Gohan Int en ami. Ouais, carrément, ouais. Tu peux prendre Gobro en leader si tu veux avec Gohan Pui en leader. Ouais, non, mais là, je pense que c'est pas mal comme ça. Hein. Le Trunks agit éclaté, il stack trop lentement à part Mirai Gohan. Ouais, tu penses qu'il stack trop lentement, mais dans ce cas-là, je prends pas LR parce que, en fait, lui, il est ZTR, mais il est pas à 100%. Enfin, il est pas à 140, donc il va se faire casser en deux. Hein. Non, mais j'essayerai comme ça. Non, mais on essayera comme ça. Ouais, Link, on essayera comme ça. En vrai, on essayera comme ça. Et avec un bon Mirai Gohan, du coup, en ami leader. Normalement ça passera. Bref, de toute façon là c'était juste la construction de la team. Donc du coup prochain live où on fait les deux Goku Rush, parce que là en 3 heures on en a fait deux à peine, on fera Saiyan sans mêlée et on fera du coup la team transformation fortifiante. Bon, cette team je m'inquiète pas du tout hein. Normalement cette team c'est comme ça quoi, clairement. Par contre l'autre ça va être musclé hein. L'autre ça va être super musclé hein. Ah celle-là ça va être chaud hein. Celle-là, ça va être chaud. De toute façon, si je vois que le Trunks, il me convient pas, on le tège et on prendra pain LR. Au pire. À quand le prochain live? Ben ça, peut-être demain. Si vous êtes chaud, on peut le faire demain. Ou... Ah, non, quoique, dans demain, pas de live sur YouTube. Ben du coup, on le fera, Goku Rush, on le fera mardi ou mercredi. Parce que du coup, demain, pas de live sur YouTube. Lundi soir, on peut éventuellement live à la rigueur. Si j'ai le temps. Ou sinon mardi, je sais pas. Lundi ou mardi, on verra. T'inquiète Ziad, on fera comme ça. Ok, bon ben vendu, nickel. Ben merci de m'avoir aidé à construire les deux prochaines teams. Ça va le faire. Et Cornfire, tu m'embêtes toi aussi. Depuis tout à l'heure, tu me spams dans le chat. Si t'es fatigué, va te coucher. T'inquiète, je vais aller dormir. Mais doucement, il est 2h26, il est encore un peu trop tôt. Normalement, je me couche d'ici 2h environ, quelque chose comme ça. Tranquille, on a le temps, c'est samedi, profitons, on n'a qu'une vie après tout, non? Il faut dormir 3 heures par nuit et le reste, il faut profiter, on a le temps. 400 personnes, ouais, vous êtes encore 481, merci à vous. Laisse-nous faire, on est comme ça. Ouais, non mais je vois, Alouane, mais bon, pas besoin de spammer non plus les gars, quand même. 98 000 PV, pas ouf. Comment ça, 98 000 PV, pas ouf? Qui ça? Bref.
T'es un fou à te coucher aussi tard. Ouah, c'est un rythme, les gars, vous savez. En fait, c'est le problème, quoi. Quand tu vis de YouTube, entre guillemets, Enfin, en tout cas, tu peux te permettre de te coucher tard et de te lever plus ou moins tard, entre guillemets, tu vois. Tout dépend du rythme. À partir du moment où t'es organisé, vu que t'as pas d'horaire imposé, bah, si t'es un minimum organisé, en vrai, que tu te couches tard ou tôt, ça change rien, quoi. Ça change rien. Puis mon corps, depuis bien trop longtemps, je peux pas me coucher. Enfin, je peux me coucher tôt en vrai. Entre guillemets, je peux me coucher tôt, mais c'est dur quand même. Mon corps, il préfère se coucher tard. Vraiment. De ouf. Il y en a, ils kiffent se lever à 6h. Et je sais, il y en a, ils kiffent là, se lever à 6h. Moi, je peux pas ça. Le matin, c'est chaud quand même. Mon corps, il a pas envie. Hein. Même si je ferais ça pendant 2 mois, j'aurais pris l'habitude, mais j'aurais pas envie. Hein. Il me tarderait juste une chose, ça serait de me recoucher à. Enfin, de me relever à, je sais pas, à minimum 11h, quoi. Hein ? Doui le boss. Doui, bien sûr, c'est le boss. Bref, les amis, on va terminer par là pour ce live. Grasse mat. Ah, c'est la vie, la grasse mat. Si je me couche tard, c'est de ta faute. C'est pas grave, Tico, t'inquiète, tu t'en sortiras, tu seras vivant. 3 heures de live, ouais, 3 heures de live, du coup, sur le Goku Rush. On en aura réussi 2, donc tant mieux, on aura fait juste un petit échec. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Merci à tous d'avoir suivi ce live, merci à vous d'avoir été aussi nombreux jusqu'au bout, de m'avoir accompagné, de m'avoir soutenu évidemment, de m'avoir conseillé aussi. Merci pour les abonnements, pour les subs aussi au passage, merci à vous. Et pour les donations, on n'oublie pas aussi également. Donc n'hésitez pas à mettre quelques pouces bleus pour la rediffusion, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve en live sur YouTube lundi et sur Twitch dès demain soir. Je sais pas encore sur quoi. Mais mon petit doigt me dit que on va se faire du Sonic très rapidement sur Twitch. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vous laisse là. Des gros bisous à tous et rendez-vous demain. Merci encore pour votre générosité, etc., etc. Des gros bisous et passez une bonne fin de soirée ou une bonne nuit. Tchuss tout le monde !